Salut à tous et bienvenue sur Valley PL Magic Arena FR, comment ça va fou Bah ça va très très bien et toi Ça va très très bien parce qu'aujourd'hui on est en live sur Twitch actuellement, on enregistre cette vidéo, pas en live sur Twitch quand vous regardez cette vidéo, pour découvrir l'extension, le nouveau standard, le standard Bloomberg Rotation. Donc quatre extensions qui se barrent, euh, qui sont Kapena, Kamigawa et les deux Inistrad et une nouvelle extension qui arrive, bloomborough avec tous ces petits animaux trop Mips. on a un compte prêté par l'occasion, merci beaucoup à Wizard d'avoir remis ces événements en place et merci de nous beaucoup. avoir invités pour participer, parce que du coup on a un compte prêté on n'est on pas riche, on n'a pas 62 000 gemmes euh, on a un compte prêté par Wizard qui nous permet de tout crafter, de découvrir là, en première, et on va jouer contre d'autres créateurs de contenu, influenceurs et autres invités euh, sur le ladder, ça fait plaisir, euh, on a plusieurs decks la vidéo, vous voyez le replay est très long on a plusieurs decks euh, sous la on en a crafté que deux pour l'instant, lapin et souris, et on va commencer avec ça. Mais avant de commencer, on remercie Playin évidemment, Codevelipel 2024 sur le boutique. On, euh, ça nous soutient, ça nous donne 50% de points fidélité. Je le précise, même si tout le monde le sait maintenant. On remercie également Ultimate Guard, lien affiché dans la description. Faites vos achats Ultimegard en passant par ce lien, ça nous soutient directement, ça ne vous coûte rien de plus, ça fait plaisir, ça nous soutient euh, financièrement. En plus, c'est cool. Et petit concours pour vous. Bien sûr, petit concours pour vous. Vous pouvez reporter un booster Bloomboro dans cette vidéo, ce joli petit booster que je tiens dans ma main. Pour ça, sur YouTube, c'est très simple. Il vous suffit juste de participer. Dans l'espace commentaire, d'être abonné à la chaîne et de laisser votre meilleur pouce bleu. Merci à tous ceux qui participent, ça nous soutient et nous on est très content de pouvoir vous faire gagner des petits cadeaux dans les vidéos. maintenant, merci. À exact. Vous. Et puis toujours pareil, code la belle carte sur Voct, Vous créez votre compte, vous arrivez, Bien sûr. que du plaisir. En plus, il y a le Bureau qui arrive. Et oui, la semaine prochaine, du coup, c'est du Bureau euh, qui sera dispo sur la belle carte sur Voct, Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Euh, ça sera euh, la folie. Euh, D'ailleurs, très gros alors, live carte à l'unité magique dimanche. Oui. Euh, alors, pas dimanche que, qui arrive, dimanche d'après. Dimanche 4 août. Euh, ben, on... Ah, on est sûr, ah, sûr J'ai la confirmation est. du chef. Ok, ok, c'est bon. Alors, le dimanche 4 août, très bien. Donc, euh, n'hésitez pas à vous inscrire sur vox si vous voulez pas louper ce live à l'unité de fou. Parce que ça sera du live pour les joueurs de modernes les joueurs de Pioneer, les joueurs de Duel commandeur, les joueurs de commandeur. Toutes les meilleures cartes magiques dont vous pouvez avoir besoin seront disponibles lors de ce live à l'unité. Donc, on vous, vous attend nombreux et vous avez en plus 10 euros de réduction si vous créez votre compte pour la première fois. Pensez-y, euh, ce soir, l'idée, ça va être de mettre en avant Bloomboro, le nouveau set. Il n'est pas question de prendre les anciens decks standards et d'y rajouter 2-3 cartes fortes. Non, non, non. On est là pour tester les nouvelles mécaniques et les synergies. Donc, on va tester les decks tribaux. C'est quoi tribaux C'est quand on associe des créatures du même type dans le même deck. Donc là, on va commencer par les lapins, mais après, c'est les souris. Ne vous inquiétez pas, on a aussi les chauves-souris, les grenouilles. L'idée, ça va être de vraiment tester toute la, la petite saveur que nous apporte Blomboro lors de, lors de ce stream d'AP. Yep, euh, on va commencer par ce deck lapin. Bon, très simple, on fait plein de lapins. Ils sont tous forts, ils sont tous gros, euh, ils attaquent, ils tuent. Let's gong Ouais, allez. On Let's est pas go, là pour faire fort. de la deck on est là pour faire du gameplay. Ouais, euh, là, on est là pour tester euh, les, les cartes. Standard, oui, je sais, je sais. Oui, barre-toi. Euh, la peigne. Voilà. Hey, Twitch salue YouTube. Je pense que YouTube vous salue également. Oui. Moi, je demande à Twitch à chaque fois de dire bonjour à YouTube et à YouTube de répondre à Twitch. De, de dire bonjour à Twitch. Ouais. Je, je vois les commentaires. Bonjour Twitch. Il faut être poli. Moi, les miens, ils sont On mal polis sur mon live. Ils disent jamais. Enfin. Euh, sur Merodif Youtube ils disent jamais bonjour à Twitch mais je le leur demande pas, il faudrait que je le leur demande eh oui. euh, ok c'est bien ça ah, dire que ah, il manque un peu de drop 2 ouais, remarque. non c'est pas très bien parce que ça ça fait quand même une peux... bête immense hein. oui, oui tout à fait mais t'as rien, rien à coeur VA2 alors que c'est un deck qui joue quand même genre 8, non, qui joue 12 drop 1 et... et 8 drop 2 ça fait quand même un peu chier quoi. dommage c'est Moulin ça Ouais, je pense. Nice, ça c'est mieux. Non, le drop euh... Ouais, ouais. Comment accéder à la vidéo sur YouTube Eh bien, il suffira, Françoise, d'attendre juste le replay qui sortira sur la chaîne principale vendredi à 19h. Donc dans deux jours, tu pourras accéder à la vidéo YouTube pour participer, notamment au giveaway sur le petit booster. Et merci fash 44 pour le sub. Merci à tous ceux qui, euh, qui participent à soutenir la chaîne. Ouh le jeu lag. Ah, on, est, on est beaucoup hein. là il y a tous les, tous les streamers du monde entier qui euh, qui testent le jeu on va dire lapin petit dropin drop la recrue de pâte. comment s'appelle de lopin. lui ça va être mon pote le Lopin là je le kiffe ton pote lopin ah mais le patelopin, ouais. mec, le patlo, c'est le pote lapin en fait. Ouais exactement. Contre -pétri. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. C'est enfin, bien parce que c'est contre... hein. possible. C'est une contre pétrie polie. Ouais, oh, c'est vrai que c'est un oiseau ça. Et c'est rare les contre polis. polies. Ah, on cherche ces contre pas polies, quoi, c'est plus drôle. Bah écoute, mentor qui va commencer à mettre de sacrés nions là avec tes doubles faire le saut derrière. Ouais, j'ai envie de garder des bêtes. Je crois pas que je vais attaquer. Ouais, je vois pas trop ce qu'il peut faire avec sa mère Loa, mais oh le lag, ouais, ah, c'est le jeu. Hein. On, on est, euh, ouais, on est au début du stream d'AP, donc. Euh... Je montre un truc qui grossit en fonction de mes bêtes, donc j'aurais pas dû jouer ça à... si je compte attaquer. Je, vais attaquer quand je même. pense qu'il aurait pris le trade. Non, non, ne pas. Ouais. Je pense qu'il aurait pris le trade dans tous les cas puisque tu joues le lapin un gros, c'est gratuit pour lui de prendre le trade. C'est stylé, il peut attaquer et sacrifier son sentier sucré pour piocher une carte. Petit deck food en face, ouais. Il n'a pas de pseudo, euh... ah bon il a pas de prénom. Il s'appelle Human Token euh, 2210. pour Prospire. Ah ouais, okay. Il a l'air de jouer Témur, euh, témur Ramp. Il se passe des choses. Et c'est une faute aussi, cette récolte prospère. Ouais, je vois très bien il ce qu'il veut faire. Se... Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Hein. J'aime bien ça, ce qu'il fait. C'est mignon. Pour un stream d'AP, c'est marrant. Mais mmh. bon, on va juste faire plein de faire le saut et bourrer. Hop là pas. Et en il plus, le lag... garde-terrier, lui, il sera 3-1. Du coup, 3-2, pardon mon garde-terrier sera 3-2 quand il attaque ouais, ouais on l'a bon, on l'a bon. découvert à Sol Ring le gang des glands biscornus il est assez <laughs> <laughs> incroyable ouais. c'est ouf ça vous êtes qui vous nous on fait partie du, du <laughs> gang du gland biscornu. d'accord c'est vraiment grave en vrai putain il peut te faire la patoune bleue là euh, t'es dead 1, 2, 3, 4, 5 il manque un mana ouais mais il va lander il n'y a pas landé encore. Bon, en vrai, je suis dead. Euh, il me reste mes tokens. Hein. Ça renvoie tous les non-tokens Ouais. Ah, c'est pas de fou, du coup. Non-land, non-token. Bah, parce qu'il y a un effet qui crée des tokens, donc euh, sinon ça marche oui, pas. Oui, oui, tout, ouais, tout à fait. Mais du coup, c'est pas de fou contre nous, là. À contre lapin, non. Il fait quelque chose. En tout cas, il essaye. Le soft ne doit pas être... Ah, voilà. Le soft n'est pas conciliant. Ouais. Ah oh Putain, c'était long pour euh, raser tout notre board. J'ai un peu le sem. Bah C'est le soft, là. Je ne pense pas que l'adversaire nous euh, oui, non, Oui, au... bien sûr. Non, mais je n'ai pas le sum qu'il était long. J'ai le sum qui rase tout notre board. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un, une, euh, une AP streamer tribal, Bloomboro. Mm. Dès que tu joues des brass, on n'est pas du tout dans le, on est sur, on est pas sur la même terre, on n'est pas dans le même, on, est on est pas dans la même envie quoi. Pas dans le thème, c'est clair. Si tu joues des anti de masse, ça risque d'être un peu plus complexe quoi. Complexe, je vais remettre du complexe. board. Pas de galère. Ça joue tes murs, ouais, mais écoutez, sans manquer de respect à mon adversaire, je suis pas, euh, je suis pas dans sa team. Je trouve pas ça incroyable ce qu'il nous fait. C'est une vraie cisette, exact, bébé Sullivan. Il y a du board. On a des trucs qui font un jeton un autour d'eux. Il y a un peu de board, mais... Je crois pas qu'il y a un truc qui fasse un jeton autour d'eux, non. Oh, C'est dommage, il pas ouf, ce garterier, du coup. Il a des stats honorables et il reste lapin, tu vois. Ouais. Ah, on a un lord autour d'eux qui est le buff, ouais. Ouais, ouais. Ah parce que si euh, il fait rien avant le tour 3, enfin si, il faut attendre le tour 3 pour qu'il soit 3-2 peut-être. Non, il a, il a le mérite d'être lapin donc il est fonctionnel avec le reste du paquet. On joue le tour 1 qui se buff quand on joue des lapins, la grenouille Oui, ouais. Très bien. T'inquiète, on joue le, le meilleur des lapins. Il, il, il nous bouit bouit à la tête euh, en face là c'est euh, un deck à la allié le drasier un peu tu sais ouais j'aime beaucoup ce qu'il propose ah, moi j'aime pas trop justement je pense que là c'est échec et matin ah merde j'aurais dû utiliser ah non il manque à mana dommage euh... Euh... Et là, on va développer c'est tout. Hein. C'est un deck foot finalement. Ouais, c'est un deck un deck timer boue ouais. Je vais mettre un peu des points. Ça peut... Ouais, ça va nous faire quoi synthétiseur Ça va nous faire mal, ça va faire des constructs à chaque fois qu'il lance des gros Artos. D'accord. Mais il est au top deck. Il est au top deck. Ouais, joue, joue la souris, hein. si jamais tu, tu trouves ouais. un buff de bord tu pourras peut-être attaquer pour l'étal. Le buff de board. Top un land. Très belle constructe. Ah, ah, pas mais... mal. Lol quoi. Pas mal, pas mal. Le oh il est en train d'attaquer alors que le spell n'a pas résolu. Le jeu est vraiment... Euh... Le, le jeu Bid. est broken. Uf, 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 Allez, partons. je vais euh, Human Token. 12. Et partir. Cry aïe aïe. Oh, il a écrasé les lapins quoi. Lui, il avait pas envie. Euh... En fait, il a pas envie qu'on joue Bloomboro. Il s'est dit non, mais non, mais non, mais non. Ah mais j'avoue que joué... ça, vous jouez des souris, des lapins. Il a joué quoi de Bloomboro, à part le. La faute qui va chercher un land euh, L'écureuil. Ah, c'est vrai que l'écureuil a, a été décisif. Non, mais c'est pas trop que son deck soit pas Bloomborough. C'est vrai que si, si tu joues des antimètres de masse, c'est difficile pour les, pour les jeux tribaux. En tout cas, les jeux tribaux sans side, je veux dire, en BO1. C'est bien ça. Ouais, c'est cool. Ah, et Phineas, quand à faire le saut, c'est pas mal. Hein. Bah, tu vas pouvoir faire faire le saut et ensuite passer en phase d'attaque et buffer tout ton board oui. Ah bah attends joue non non joue pas le recru du coup joue ton drop 1, là qui va euh, fonctionner avec faire le saut et lui tu pourras le progéniturer. Bah ça met moins enfin, de points. Cas, ça met un point de moins, oui. Tu préfères euh, mettre moins de points avec ça Pour euh, curver bah, ça ça s'entend, non De vouloir jouer la progéniture plus tard, non Ouais, peut-être. Et en plus, t'es récompensé s'il a un anti s'il a une interaction. Si tu gagnes garté ouais. Parce que sinon, ça, c'était mieux contre les interactions. Oh, le petit lapin Incroyable le progéniture. Ouais, très stylé. Ah, il veut conner, lui. Merci, Flokura, Merci, Merci beaucoup Flocura. pour le Prime. Alors, comme ça, on il passe joue des... euh, Isaac Prouesse. Ok, ok. Flokura, j'ai l'impression que tu as passé un, un bon petit midi, moi. Je sais à qui t'as as dîné. T'as déjeuné, pardon. Euh. Petite plaine. Le Phineas. Allez, allez la fine. Mais ça va être délirant le tour d'après. Tu fais euh, tour 3, faire le saut, passe en phase d'attaque avec Phineas. Buff board. S'il si, survit, ouais. Bon. Un punto. On va espérer. On va espérer, on va espérer. Ciao! Ok, ok. Oh, il pourrait être 2-3, Phineas. Hein, franchement, euh, abusé, je trouve. Pour être 2-3. Ah, on n'a pas vu. vu J'ai pas vu ton Prime, Pépi, mais auquel cas, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour le Prime. Oh merci pour le Prime. Il a tué Phineas. Ok, il joue Kitsa, qui est, qui est une bonne carte. Regardez le top si jamais vous voulez avoir notre avis sur, ce, sur ces cartes-là sans finesse, c'est quand même moins sexy. Hein. Ouais, le deck euh, compliqué. Hein Après, t'as des, des curves qui sont débiles. Hein. Mmh. Ah, sans interaction, ouais, tu, tu fais des trucs. Regardez-moi oh, ce petit lapin là. Il cache une contrepétrie Ouais, il y a écrit trop de balles, quoi. <laughs> oh ouais, ouais, c'était vachement caché. Hein. C'est ça, ça... Enfin, écrit, quoi. Bon, il nous fait quoi, lui, avec son IZ Prouesse T'as un IZ Storm ou pas Dans la besace. Non, j'ai pas d'IZ Storm, et je pense ah, qu'il qu y a pas grand monde qui a Storm, et que, justement, c'est le genre de truc qu'il faut... Qu faut trouver, tu vois. Stylé Merde, ce qu'il fait, lui J'adorais cette carte. Ouais, je me souviens, ouais. Tu voulais absolument la mettre Hop dans là. le top, je crois. Oh la vache. Euh, pourquoi on n'a pas nos lords, rappelle-moi euh, Parce qu'on pioche trop de landes. D'accord, ok. Je voulais être sûr. Bah, mets tout. Hein. Ouais, je vais pas le progéniter, lui, tant pis. Hein. Tant pis. Hein. Non, non, vas-y, vas-y. Mais donc, mais donc. Et je pense que tu juste avec tes 1-1 pour coller deux points. Ton perds une, c'est pas très grave. Je peux. Oh, ce qu'il vous met. 3, 4, 5, 6, 7, 8. S'il a un spell, on est mort, je crois. Non, on est à 1. Ouais. S'il a un spell. Voilà. S'il a, ouais, ce, spell, si il a, il a ce spell, on est bien mort. Bien joué. GG Rogue. Écoutez, nous on se bat, on teste les lapins, on est là pour souffrir. Petite intuition là pour je... l'instant, euh, c'est pas lapin qui va révolutionner le standard. Ouais, c'est pas bien parti. Mais viens, on lui donne une troisième chance et après, après on n'insiste pas sur les lapins. De toute façon on fait des sorties pas ouf donc euh, moi je vais en voir une bonne. Ah, on est passé à ça de faire une bonne sortie, hein, mais il avait choc. <laughs> il avait interaction, du coup notre deck est nul. Alors, on, va, on va lui en demander un peu plus. Si le deck perd sur choc, c'est pas mon bon deck. Ouais, ouais. Mais est-ce que le deck perd sur choc Parce qu'après, là, on est dans des versions BO1 qui mettent en avant full Synergy Blomboro. Après, les decks, ils méritent d'être des grossiers aussi, tu vois. Et moi, je l'aime bien, cette, cette main. Allez, hein Du coup, là, tu fais recrue parce que t'as pas de, de token. Oh Ah non, parfait. Ah, ouais, oui, mieux. Tu fais meneur, du coup. Je fais le copain. J'avoue, je m'attendais à mieux de lapin. Mais les enterrez pas, les amis. Oui. Tranquille. Ah, il joue chauve-souris, lui, en face. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, nous aussi. On n'a pas mis de sleeve, on n'a pas mis d'avatar, c'est terrible. Hein. mais je pense que c'est pour ça qu'on fait des sorties de merde. Il joue pas que chauve-souris. Il joue. Ouais, mais nous aussi, dans Chauve-Souris, caté il y a 8 le... hein. tu, tu, On va pas se... on va pas se priver. Le F. Oh, Victoire Minguez encore une fois, qui, euh, qui signe un artwork magnifique. D'ailleurs, Phineas, euh, vous allez le voir sur une miniature bientôt, il est magnifique. Ouais. Ah, bah bientôt, tu veux dire dans 1h20 Dans 1h20, ouais. Jace aussi, vous allez le voir sur une miniature. Magnifique aussi. C'est Ils sont où les antibêtes de Célestia, d'ailleurs Là. Attends que j'y pense, là. Ouais, ok. Bah ça, on va le péter d'ailleurs. Hein. Je pense que tu vas faire juste recrue et affaire. Hein. Tant pis pour le... pour le. Ouais mmh. ou lui, tu le joues plus tard comme tu veux. Ouais, à non, ta guise. C'est bien, c'est bien, là. Je peux aussi progéniter. Alors, euh, on a, ouais, non, mais ça, j'ai peur que ça grossisse. Tu le laisses pas grossir, ça. Hein. Tu le maintenant Non, oh oui. J'ai, euh, si je, si je croise l'un de vous qui joue chauve-souris sans acclamations, je lui tire les oreilles. Je lui pète la gueule. Ah, je, je voulais être plus poli. Non, parce que si vous êtes extrêmement baraqué et costaud, je voudrais pas non plus euh, en prendre à votre intégrité physique de peur que vous ah. vous en preniez à la mienne. Peur de représailles, très certainement. <laughs> oui. Ah oui. C'est bien ça. Okay. Là, là, c'était bien. J'étais content. Salut Tonton Square, est-ce que ça va jouer curie ce soir Je crois pas, non. Et non, malheureusement. Je crois qu'on n'a rien décuré. Y a pas grand chose à faire avec nos amis les écureuils hein. franchement c'est pas brillant brillant pas d'attaque d'abord lui tu buffes tout le monde du coup non je mets un lapin si tu, si tu buffes pas il trade hein. hop là Ouah, je il peut pas si... trader avec euh, Phineas pardon euh, il pouvait trade ça mais j'avais un board de fou Ok ok. Non oh, mais je suis étonné qu'il ait pas pris le trade. Pourquoi il l'a pas fait Je sais pas. C'est les consignes euh, du stream. On trade pas. On, on vous attaque, pas. vous bloquez pas. Alors on joue pas d'antibêtes, on joue pas de vrasse. L'idée c'est vraiment de mettre plein de lapins et plein de souris qui se regardent dans le blanc des yeux. Ouais, il y a des bonnes cartes écureuil au global, mais je trouve que les bons écureuils c'est plus des synergies sacrifices en. En Golgari ou en Abzan, il n'y a pas un côté très tribal aux, aux écureuils. En tout cas, pas de ce que j'ai vu sur les decks que j'ai cherché sur Internet et pas de ce que j'ai eu envie de builder non plus. Pour mmh. oh, le type, là. Hein. Franchement, euh, engage ton board. De hein. toute façon, les lapins, ça a toujours été plus costaud qu'une chauve-souris. Je vais foutre ça sur Phineas. Le F Là, je crois que je vais mettre plus un plus un sur tout. Bah, quoi que, refaire yep. un lapin de 2, c'est pas mal. Hein Parce qu'au final, tu plus veux. un plus un sur tout. Ouais, non, un lapin, c'est mieux. Parce qu'une bête de ouais, deux si, de plus. Si c'est pas létal, c'est bien, ouais. Oh, et tu pioches en plus. Non, mais quel plaisir, oh. Phineas. Euh... Oh, je vais lui foutre un truc bien gros, là, en plus. Le sang, quoi. Attention, c'est piétinement, c'est jeune. Voilà. Là, tu vois, quand on affronte d'autres tribus de Bloomborough, je sens qu'on a des, on est dans des, dans des intentions euh, communes avec MTG euh, iBilly. Et là, les lapins, ils me font plaisir, quoi. On est chez nous, là. Ça me régale. Voilà. On devrait jouer en bloc. On devrait faire un format. Vous savez comment il s'appelle C'est format bloc Bloomborough. Mais par contre, on a juste droit de prendre les mana bases du standard. Quel beau format. Si vous êtes chaud pour entrer dans mon club, j'ouvre un autre club. Il y a le club des modernistes en Timeless et il y a le club des Bloomborough Only. Et cette fois, je fais l'entrée à seulement 5 euros. Le ah. prix d'un sub sur Twitch. Arrête avec tes clubs. Faut que je te le dise, ça intéresse personne. Et pourtant, si tu savais le nombre qu'on est dans le club du Modern Only, t'as pas idée, gros. Non, ça c'est des il y a gens il y a plus de gens, ont des échéances compétitives. Ils sont obligés de faire ça. Ils il ont y a pas a chose plus dit. de gens dans mon... Il y a plus de gens dans mon club en timeless que de gens qui jouent en timeless. Te dire. Il y a quand même beaucoup de gens qui jouent en timeless. Mais oui, mais il y en a plus qui viennent de mon club que le reste. Ah, bébé Sullivan qui rejoint les deux clubs. Un double adhérent. Mais évidemment. Viens, bébé, tu vas voir. C'est là où on kiffe le plus. C'est Favreto. Et merci, Tiuque, Tiuque qui rejoint le club aussi. Super ça. C'est pas mal, ouais. Ça a l'air de bien bourrer, ça. Tu fais partie du club Kimchi Alors On va te concocter ça, Fukura. On a un club pour tout, nous. Hop, hop. Ils sont pas délirants, ces Landes-là. Franchement, tous, ils sont tous bien. Ils sont très bien, ouais. Village le chêne creux. il est interdit de parler du club. Non, ça c'est un autre club, Azuflow. Euh, Moi, au contraire, tu peux propager la la parole. J'y fous le meneur ou le fini Phine... Non, le Finéas est trop fort. Ah, tu mets d'abord en, en vrai, Finéas c'est trop fort. Et d'ailleurs, dans le deck lapin que j'ai trouvé pour me servir de base, il y avait pas Finéas. Mais il les fou, lui. Tu commences Finéas. Ouais. OK, il est légendaire. Du coup, j'ai mis trois Finéas. Mais faut pas déconner. Euh, je peux piocher une carte pour 3 hein, avec Finéas. Bah ben, ouais, ouais. Bah, tu le bien, feras hein. et après tu feras meneur in tout es mort. est mort. C'est pas une insulte, hein. c'était pour dire qu'il était. In dead, tout est mort Bam bah, Si je joue ça, 3 marqueur Donc on a 3, 4, 5, 6, 7. Il attaque. 8. Ah non, si je joue ça. Ah si, si je joue ça et ça. Je pioche quand même. Ouais, la paix est giga good vibe, tu. En tout cas, nous, on la prend par le prisme de la good vibe. On a envie de tester euh, les, les mécaniques tribales. Je fais quoi lever On verra ce que ça Je donne. fais meneur-meneur. Toi, tu préfères double meneur plutôt que faire le saut. Faire le saut, l'upgrade, c'est de te donner une draw. Et ah, par draw contre, tu mets plus cas. de points en faisant meneur-meneur. Ah, je... tu draws dans tous les cas Si je résous et que je peux attaquer, je veux draw dans tous les cas. Alors, dans ce cas, meneur-meneur, parce que tu gagnes un hit de meneur. Ça vous paraît pas clair ce qu'on raconte hein. Moi, j'ai pas compris. Favreto en face, JR, je sais pas qui c'est. Ouais, non plus. Christian Favreto. Il ah, y a plein, de, plein de, de, de pseudos de créateurs de contenu qu'on connaît pas forcément, s'ils sont anglophones ou, ou hispanophones. Hop là ah, trop bien l'affaire, ok. Mais tu vois là quand ça fait ça la fin, je, je vais pas vous dire que euh, ça fait très bien l'affaire. Je vais pas vous dire que c'est euh, deck de standard sûr et certain, mais ça propose quand même. Hein. Ça propose, ouais. Après le type, il a fait rien, puis rien, puis quand copé. bien sûr. Mais toi, t'as juste fait euh, mm -hmm. en trois tours euh, trois bêtes, tu vois. Ouais. Et vélestat du type. Ah c'est bien, c'est bien. Hein. Franchement, enfin, si tu dis à ton Oppo, bah, si t'as pas de drop 1 et de drop 2, t'es mort. Euh, attention quand même. Hein. En fait, c'est surtout interaction. Si tu gères Phineas, sa sortie, elle est, elle reste ok, mais elle est plus moelleuse. Si tu ouais, gères ouais. pas, par contre, t'es mort. C'est meilleur que Boros convoque. Je pense pas, Miles, mais euh, je pense pas. Mais ça, ça m'intéresse met... quoi. Ça m'évite des bêtes qui peuvent être plus grosses que Boros. Hein, donc euh, ça peut y avoir un match. Hein. C'est plus gros, c'est plus gros que Boros convoque. Allez, ah, tu renvoies plus. les lapins là. Bah, je crois qu'on a fait 2-2. Ah, ok, tu Donc veux partager voir. tu veux vraiment qu'on puisse dire que c'est du caca si c'est. Ah, je veux pouvoir dire que c'est le meilleur deck ou euh, je délaide ce deck et ne pas parler de l'animal euh, rongeur que l'on utilise. D'accord, je comprends. C'est soit, voilà, je, je deviens un homme lapin. J'ai déjà commencé avec Bandit. Euh, soit vraiment, ça, ça dégage, quoi. Non, mais c'est moi qui suis un homme. Enfin, moi, je suis un homme souris, mais toi, tu étais un homme. Euh, un homme. Euh, comment s'appelle ça les Whistler, we là. Un homme belette. J'étais un peu belette, un peu écureuil, j'étais un peu tout, hein. Ouais ouais. Dommage que ne soit pas une mythe lapin. Ouais. Putain, dommage que Sholdred ce soit pas un rat. Sholdred. rat. Tu peux le faire avec toutes les cartes. Putain, le prêcheur du sisme, s'il était chauve-souris, on se serait régalé, gros. En vrai, ça pourrait être une chauve-souris. Oui, bah oui, mais tout, hein. Shouldred, ça pourrait être un lapin aussi, hein. Non mais il est vampire. Il pourrait être <laughs> chauve-souris. C'est vrai. Votre vidéo elle sort quand de euh, Sol Ring avec Bandy Courant, courant août. Je peux pas te donner de date s'il l'a pas annoncé. Euh, je, oh. veux pas, je veux pas faire l'annonce à sa place. Mec, tu es un Bloomberg. Oh. Magnifique. Joli. Oh ça m'apaise. C'est apaisant. Hein. Oh je suis bien. Moi oh, je bouge plus. Oh il y a mon deck sur une petite feuille. Mercenaire. Autolo Shouldred c'est un écureuil c'est cramé c'est vrai il y a un peu de ça hein. Bon tu fais quand même de relativement bonnes mains hein. euh, Ben bah là on est en AP streamer donc on ne peut pas faire de mauvaises mains Ah oui c'est vrai on a les codes streamer qui sont activés bien sûr Il a dit début août la première et en novembre la seconde. Ok, bah parfait, euh, The B Maxwell. Dans ce cas-là, ça arrive bientôt. Ah, ah bah hein. oui, une douce Route, c'est la carte que les gens ont envie de tester dans, dans ce set. Mais on connaît, nous, déjà, une douce Route. On le représentera en standard plus tard. Il me régale. C'est dommage que tu pas un deuxième drop 1, ça me frustre un peu. Un ah, troisième Non, non, mais. Enfin, du coup, un deuxième dropin à jouer dans ce oui. tour 2. Quoi. Lui, il ne fait pas partie du club. On va effectivement le cogner, Eric. Oui, parce que euh, vous pouvez adhérer au club, mais tous ceux qui adhèrent pas, on les fait adhérer de force. Ah, bah oui. Donc finalement, adhérez Ah, hein. oh, ça marche pas, ça ne le buff pas. Oh, quelle non-synergie, ça me dégoûte. Ça Ouais. Bah, si, c'est un lapin, il prend le marqueur. Oui, mais regarde, ton meneur ne le buff pas. Non, ça ne... ça ne marche pas sur les grenouilles. Ouais, ouais. ça m'attriste. Me... Ça ah, si on serait fort, imagine tour 2, 3, 3 piètes. T'as 2, 3, t'as Scry 1. Je... je prends. Ah non, t'as pas Scry 1. Ah, la racine, de... ça va faire un truc en standard, je pense. Hein. C'est à peu près sur Miles. Avec saisie de cash, ouais, c'est pas mal. Oh, il a me les deux racines, le pauvre. Je te propose euh, recru et affaire ou on s'en fiche de son, de son mineur Faire le soir. Enfin, tu veux juste 3 de 2 Ouais vas-y vas-y, vas-y, bof. Et puis ça, ça va être bien gros aussi. Val qui invente au fur et à mesure les règles du club. Bah, c'est le principe du club. Moi, c'est un club démocratique, tu vois. Il y, a, il y a des gens qui adhèrent, puis derrière, ils ont des Uff. idées, et puis moi, j'écoute les idées des gens. Hein. 7 points. PAN, PAN. Moi, ouais, Eric, s'il si fait partie du club, il a dit lui, euh, il joue pas des lapins en le bourg, bah ouais. Ah, Troisième si, je... règle du... J'ai mis emploi, je m'y engage. engage. Je m'y engage. mis m'y engage. Ah, mais c'est bizarre, Rogue, t'as pas l'air de kiffer euh, ce que tu fais là. Il aurait dû dire, je m'y emploie. Je m'y engage pas. Vous avez dit quoi là ah, non. Parce que vous avez dit que vous y engagez pas Oh putain, putain il commence déjà à faire des conneries là, ça m'énerve. Fort hein. D'accord. Ah, c'est le même euh, oui, c'est le même Oppo euh, 2205. Ah ouais. Lui, il est vraiment euh, blombro, ça l'intéresse pas, c'est trop marrant. C'est le gars qui jouait les oies avec euh, avec euh, avec les food. Ah, je crois que c'est 2210, le premier. Ah OK, bon bah romagic m'a dit une, une bêtise. Euh, je vais t'enlever le seul bloqueur que t'as et t'attaquer pour 12. C'est fluide, c'est cool. Tiens. Tiens, regarde, tu vas voir, ça fait du bien. Allez, on met tout, on est content. Bon, ouais, non, je mets pas tout, ça rame, c'est chiant. Le coup de zedou. Le coup de The Regarde un, oh, je un sacré ça. coup. Hein. Ah mais ça c'est une rêve que seul toi et moi avons. Le coup du dédou. <laughs> oh le dédou. J'adore. Très bon. Fortnite. Bah meilleur deck hein, Du coup. Franchement finalement, est-ce que on n'est pas assez satisfait des lapins Est-ce qu'on n'est pas sur une masterclass l'équipe J'ai pas raison. Allez, euh, je vous montre les souris. Du coup, ça vous parle le club des lapins ou pas Ah non, on joue pas d'interaction. On met juste du porté, on attaque. Les souris, euh, j'en mets plein là, j'en mets plein là. Là, je mets aussi un peu. Et après là, j'en mets. Et hop, j'attaque, j'ai gagné. Là, bah, j'en mets. Et ouais, j'attaque, exactement. Oh, j'en ah, mets. Mais... Je, euh, je, voulais... je voulais pas que tu fasses moins concis, tu vois. J'en mets C'est le frère de Jean-Michel. Tu sais, j'adore concis parce que dans concis, il y a con. Donc elle était vraiment concise cette deck tech. Ouais. Il y a si aussi. Ça te parle moins. Un peu moins, ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre concis et circoncis J'ai l'impression que oui, parce que il y a un champ lexical rond. Ouais. L'objet de circoncire, c'est de réduire quelque chose entre guillemets. Enfin, pas de le réduire, mais de le faire disparaître. Et donc, du coup, tu rends la chose un peu plus concise finalement. De façon euh, cercle. Je, je, écoute, euh, si j'analyse grammaticalement, je m'y retrouve quoi. Je vois le lien, mais si tu me demandes, je peux pas t'expliquer le lien. Je peux juste <laughs> te essayé. dire oh, oui, oui, c'est oui, oui. Voilà. J'ai essayé. C'est pas mal, mais c'est pas bien. C'est bizarre. Ah, t'as 12 drop 1, ça fait quand même un peu chier de pas ouvrir bah un ouais. avec un drop 1. Quoi. Ouf ouais, bah Ça fait un peu chier, mais vas-y, garde la On va tester le Val Moustachu. Teste... Testons-toi. On peut piocher autre chose que cette euh, défuse Bresker et j'ai été poli parce que j'ai fait dire autre chose. Oui, je t'ai vu déraper là. Bah vas-y, bref. je sais pas. Tu feras la souris polyvalente et. Enfin tour 3, pardon, souris polyvalente et tour 4, <laughs> le, le précurseur du Val -Moustache. La souris polyvalente. Oh putain, le token Trop beau ouais, euh... Fais la souris polyvalente. On dirait un truc de Camelot. Genre vas-y, <laughs> euh, mise en situation, fais-nous une souris polyvalente. Souris polyvalente, ouais. Tu vois, un mec, qui fait un mime raté complet, quoi. Euh, ouais. ouais. D'une souris qui est polyvalente, quoi. Qui est polyvalente. Par lui, il doit jouer lézard. Camouflage édulcoré, camouflage intempestif. Hello, Gigi MTG. Salut, bien joué. C'est le pseudo, en gros. Oh, putain. Il commence pas bien, lui. Déjà, il paye un mana rouge pour faire triomphe amer. Ça sent pas bon. <laughs> Déjà, on est sur une petite triche. Alors, c'est une triche où là, tu l'as fait remarquer, le type fait Oh, pardon. Oui, oui. Euh, euh, pas deux, oui. pas <laughs> deux. Pas deux. De. Oui, pardon, j'engage mon mana à noir. Oui, mais non. Je, je, je le savais, je le savais. Oh, le j, le j. Jasper sex qui était défaussé. Oh, ça crime. Ça crime à fond ouais. en face. Hein. Il a une tête à Alors, c'est pas pour hey me déplaire. c'est pas pour me déplaire, mais on n'est encore pas dans le thème. Donc, moi, je vais faire une lettre à Wizard. Bon, par contre, Wizard, est-ce que vous pouvez veiller à ce que les personnes que vous invitiez jouent les cartes de Bloomborough, s'il vous plaît Ah, j'ai pas mis Village, et je suis un le con. Vraiment, Je le dis Je le dis aussi vraiment des terres. Je réfléchissais à ce que tu disais et à mes souris, du coup, j'ai mal landé. T'as mal landé, ouais. Ben, ouais, c'est pas grave. Bah, contre lui, je sais pas si de PV, ça va faire la diff. Si tu pourrais être sympa et le GG développer ton Jasper Sexe au tour 3 et nous laisser résoudre ça et ça. Oh mais ça, c'est fou, hein, par contre. Les terrains, ça compte. Ah Les terrains, t'as le droit de pas avoir des terrains de Bloomborough. Je te dis, bagarre dans mon club, on est tolérant sur les terrains. Ouais, la mana c'est ok. C'est un lézard, euh, Jasper Non. Contre moi, euh... je crois, ouais. Le son, Jasper. Mais non. Ouais. Mais non, il est dans le thème. Mais pardon, Elo. Mais pardon. Ouais, J'aurais dit que c'était un espèce de corbeau. Tu vois Ouais, c'est vrai. Il avait un peu. Non, c'est un maintenant lézard, que tu me le dis. Par pardonnez-moi. Maintenant que tu me le dis, c'est un lézard. Mais avant ça, je voyais un espèce de bec. Ouais, mais tu vois, je me suis emballé pour rien. Je tiens à faire mes excuses. Grand mea culpa à Hello qui doit être un créateur de contenu émérite. Mais tu trouves pas que Jasper Sex, on dirait qu'il a une toute petite tête par rapport à son gros corps Ouais, comme le mec dans Manning Black. Comme un gars qui a trop poussé à la salle, tu vois ou pas Ouais, je vois exactement. Allez, on joue le précurseur de Val. Oh, ben Miles dit J'ai hâte de voir le type qui va sortir Ragdos ça. Ben Justement, enfin Ragdos Belette ça Justement, il y a plein de decks qui tournent là-dessus. C'est exactement ce qu'on ne veut pas vous montrer ce soir. Par contre, c'est ce qu'on vous montrera prochainement sur la chaîne. Cible précurseur. Elle fait quoi le, la souris euh, enragée Pas mal. Ouais, pas mal, ouais. Mmh. Eh ben très bien. Gave on l'aime bien aussi. Hein. Bonne ouais. bête ça. Hein. Le G. Là, le tour d'après tu vas faire Mabel into trigger précurseur. On va commencer à faire des trucs. Euh... J'ai fait un Mabel euh, défiuse brasseur ouais, il... même. Hein. Il est casse couille. En plus il repaye un rouge. <laughs> non mais non mais oh. On, on est avait où, dit t'avais pas le droit. C'est vrai qu'il joue un nouveau compagnon et pas nous. C'est vrai. Mais mmh, eh oui. Nice. On hein. va bah, faire ma belle, non Bah je peux faire deux spells avec ça là. Si tu fais deux spells, c'est quoi le trigger Le deuxième écoutant de moi. Et euh, si je mets deux permanents, elle prend un marqueur. Enfin, une créature ciblée prend un marqueur. Ah, et tu peux lui donner un... Ah, un en plus. Vas-y, double, double spell, ouais. Ma belle Tu voulais pas faire double spell mais ma belle Et après euh, un autre Ah oui d'accord ok, c'est ça. Je, je l'avais pas. Euh, je vais mettre hein. c'est fort d'en avoir deux. Ça a l'air pas mal, ouais. Mais puisque tu vas pouvoir donner double init à tes deux souris. Oui. Oui. Nice. Oui, Tiens, monsieur. Toi. Et toi. Et toi. Et toi. Et toi. Et les souris, ça dépoppe un peu. Hein. Dubinit. Dubinit. On dirait un, un gars qui veut parler que, à des jeunes. Eh, hey, les souris, ça dépoppe. Hein. <laughs> eh, hey, les jeunes connaissaient les souris. Non, ça dépoppe. Hein. Oh, ça, ça bombarde. Ça swing ou quoi? À moins de mon temps, les souris ça dépop. Hein. Je trouve ça cool oui. Qu'est-ce que vous en pensez, ma team <laughs> Le vieux boomer. Et les gens, trouvez ça cool vous aussi C'est qui c'est cool C'est qui se Ça me fait délirer, moi. Pas vous Oh, j'ai euh, pas envie de dire. C'est sympa ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'on s'en fout. Tu, tu valides ou pas Ouais. Oh, le bien ah joué. Ouais, bien joué. Je rends le bien joué. Oula, pourquoi c'est aussi sombre quand je, quand je clique là-dessus ah. ah. Merci euh, Ayaka pour le sub. Merci à tous ceux qui euh, qui sub à la chaîne. Ou tous ce ceux qui, ci, qui sub pas. à la chaîne. Lève le doigt euh, Du coup, je peux jouer ceci. Et cela. Et ceci. Et ce lait. Mon père qui me dit chez le 14 juillet. <laughs> envie de rejoindre Papa Johnny. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu lui dis Tu lui dis non, papa, pourquoi, pourquoi tu dis chez Il le dit devant des gens en plus. Alors, comment ça se passe Tu lui fais savoir ou juste tu, tu acceptes Équipement 2. Célérité. Donc là-dessus. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé que les souris étaient plus fortes que les lézards de toute ah, façon. Ah, mais par contre, là, euh, je suis euh, subjugué. Je suis conjugué même. Ouais. Euh, C'est quand t'es subjugué es au... et que t'es con. T'es au prétérite là. Euh... T'es es conjugué en anglais. Je suis au plus que parfait là. Je suis, je suis nickel. Là. Ah oui. Faut que je cible quoi. Je sais pas. Je pense que tu peux cibler n'importe quoi, tu gagnes quand même. Ouais, tiens ça. Et je vais cibler euh, ça. Et ça. Et encore ça. Oh, excellent. Ça, ça, ça en fait des trucs, hein. Ça en fait du micmac là. Oh, j'y fous tout le bordel. Bah oui, foutu. Oh, je lui ai foutu tout le bordel. Excellent. Ah, j'ai adoré. Je me suis régalé. Vas-y, remets-en un petit coup. C'est bien. Hein ouais. En plus, on n'a pas fait une bonne sortie et c'était quand même super fort. Ah, on a Molligan, c'est un peu mou et bim. Bim. Olimo me dit, enfin nous dit, non, je lui ai fait comprendre que c'était du jeune de 2002. C'est très poli de, de dire comme ça. Euh, papa, là, tu fais du jeune de 80, là, c'est pas possible. On vous, vous rendez compte que dans quelques années, ce sera vous les boomers avec le vocabulaire propre à chaque époque Mais On a un petit avantage, c'est que comme on est sur Internet, on, on a encore le, le vocabulaire, on va dire... Des nouvelles générations, on l'a, tu vois. On l'a dans le contenu mmh. qu'on consomme, etc. Mais quand le contenu qu'on consomme va vieillir aussi, bah certainement avec nous, euh, parce qu'on sera trop en décalage pour comprendre le contenu fait pour les jeunes, c'est là où, du coup, on va être un peu mourir. Moi, je ne l'ai déjà pas. Hein. En fait, euh, le, euh, vocab... je sais quel vocabulaire était déjà un peu ringard quand moi, j'étais jeune. Mmh. Mais par contre, moi, mon vocabulaire actuel, celui que j'utilise tous les jours, il est déjà, déjà ringard par rapport à mes petits oh frères et sœurs, par exemple. Cloquise Oh, Cloquise Moi, je sais que je suis déjà boomer sur mon vocabulaire. Genre, mon petit frère ma petite sœur me le disent déjà. C'est trop tard. Ouais, mais ça me dérange pas, en fait. Genre, c'est OK, je trouve. Justement, c'est passation de génération et c'est cool. Ouais. Je y a du skin. Hein La petite souris. Écoute, ta main, elle est, elle est belle. Hein J'ai pas nébleurs mais euh, bon. Ça se curve. Ça se curve tranquillou. Ouais. Ok. Bah, Vas-y, petit, euh, petite défieuse. Les jeunes du chat, montrez-vous. Allez, hein, montrez-vous. Il y a moins de 18 baisse. ans ici. 20 ans ici, hey, je pense que tu es dans la, la frange basse. Hein. Nous, ouais. euh, plus de 50% de notre audience a entre euh, 40 30... et 50 ans. A... En... Non, alors, attends. Je crois que c'est 50% qui a entre 25 et 34, et euh, 25% qui a plus de 34 ans, et 17% qui a moins de 25 ans. Donc on a plus de 34 ans et plus que de 25 ans et moins, mais la grosse part de notre audience, c'est 25-34. Mizikaza hum. qui dit 20 Nous, ans, le... c'est propre. La... <laughs> c'est vrai. La moyenne, c'est plutôt 30. Oh, 17, incroyable. 19 ici aussi. Putain, un max de Jones. Et alors, ça va les Jones Vous êtes chez Bran ou quoi Eh, hey, euh, la casquette, c'est stylé si je la mets un peu sur le teco Ok. Non, mais ça fait plaisir de voir des jeunes générations. On a l'impression que Magic attire plus beaucoup de... de jeunes générations. Et en vrai, bah, on voit que ce pas forcément le cas, c'est cool. Mm. Oh, mais je viens de capter. Le, le plus jeune et le plus vieux. Je viens de capter pourquoi ma belle c'est bien. Ouais. Parce, Parce que, que euh... as, tu triggers en, en équipant. Eh oui. Ah, tu l'avais pas vu, Val, arrête. Ah, mais bien sûr que si. Tu l'avais pas vu du tout. Ah, mais je te jure que je l'avais vu. Pas premier vu degré, tout. je te le promets, gros. Mais je... Si. je te crois pas du tout. Mais je, pense même, je pense même que je le dis dans la vidéo. Je pense même que je le dis quand je parle de ma belle. Quand vous regardez la, la vidéo, vous le dites s'il l'a dit ou pas. S'il ouais, si l'a pas si dit, c'est qu'il ne l'a pas vu du tout. <laughs> je te jure que je l'ai vu. Franchement, bon, je suis honnête quand je vois pas les trucs. Ouais, je te crois à moitié. Ouais. Allez, allez. Bon, il fait quoi notre oppo là, Croquise Il nous joue quoi Il fait des trucs cool. Oh, ce token indice, vraiment, je suis. Euh... Je suis baba. Je suis pas en toi, je suis pentu. Ouais, enlève ah, souris. Hein. Merci. C'est hyper précis. Euh, j'attaque, je tue. Je tue, j'attaque. Ouais, je crois hein. que tu vas aller chercher. Euh, en fait, t'es obligé d'aller chercher Liliana. Donc, t'attaques et tu tues. Ouais. Tiens, prends ça. Merci, c'est Torion. Merci pour le sub. Bienvenue. Et là, en réponse, il bloque. Ah, peut-être je bloque. Là, il a plus rien, le, le croc. Que le grand cric me croque. Et les jeunes, c'est pour un sondage Ifop. Comment vous avez connu MTG C'est incroyable. La question est folle. Je vais virer le, le val moustache. Hein, je suis désolé. Ah ouais Bah, j'enlève la carte que je peux pas jouer. Ouais, mais en fait, il te donne un top deck land qui est cool, tu vois, alors que ton héros, il accomplit pas grand chose, non Mais bah, mon héros, tu veux je héros équipé. J'équipe. Il prend un marqueur. Okay, il okay. prend le plus un plus un. Ok, ok, vas-y. J'entends. J'ai une stratégie, Val. J'entends, j'accepte. Non, mais t'as raison. Faut jouer avec les cartes que t'as, pas celles que t'as pas. On est d'accord. Ah, ça, c'est dommage. C'est bien de la merde. Est-ce que t'as un cœur de pire au cœur, Val J'ai un cœur de pire au cœur. Je sais pas. C'est quoi C'est un cœur chaud C'est comme un cœur de rocker, mais, euh, mais chaud. Je sais pas si j'ai le cœur chaud. Je crois pas. Moi, j'ai le cœur tiède, je pense. C'est pas bon, hein il faut qu'il soit un peu chaud, normalement. Genre. Non, mais genre à point, à point quoi. Ouais, tu vois. fais ce que tu veux. Il est cuit, le cœur. Ah, il est bon, on pourrait bouffer, ça. Je croyais, je croyais que ce que tu voulais ah, dire, c'est est est-ce que t'as le sang chaud Tu vois, est-ce que t'es un sang chaud Non, moi, je suis un gars plutôt raisonné es... comme gars. Tu est un sanguin je suis, pas... je, suis pas... je suis pas un sanguin, je suis pas un gars impulsif. Mais je suis pas un gars froid non plus sans émotion. Je suis un gars un peu. Je suis lisse, moi. Je suis chiant. Ah, ouais, je me casse. Tu... tu préfères être sanguin ou un sangami je préfère être un sangami, ouais. ouais. Et quand t'es sanguin, généralement, t'as plein de regrets, en fait, après. Eh ouais. Moi, je me demande toujours du comment coup, les gens sanguins toi. vivent. Euh, ah ben, ils ont pas d'argent, ouais. C'est triste. Bien joué. Non, mais euh, genre. Euh... Ah, mais j'aurais pu trigger. Tiens, je suis un con. Excusez-moi, j'ai mal joué. Tu pouvais je... faire quoi, par contre je... Je, je la rééquipe pour deux, et du coup, elle prenait un marqueur. Ah ouais, ok. J'étais tellement deg de ma, ma montagne j'ai passé le tour vite. Ah, belle. Ah, C'est pas mal, ça, de te rééquiper euh, en boucle. Mm. C'est pas Par mal contre, du tout. lui, tour. il va t'attaquer avec la... avec la moufette, là. Tu vas pas être content. Hein. Ça dépend ce qu'il fait, mais bon, j'ai l'impression que je comprends. Ouais, je, je crois comprendre aussi, ouais. Oh, il joue juste Ragdos caca. Croquis, franchement... On oh, le pas streka. jouer les lapins aussi comme tout le monde ouais, parce que moi aussi je peux faire ragdos ça. on sait tous faire il y a encore cruauté de geeks, on est au courant non mais oh il a vous fatiguer. bon ouais pas des masses hein. il a l'air de se dire en mono, ok je prends 4 il va prendre 4 nous mettre 3, défausser une carte, tuer le héros yes Ouh, il fait chaud là dans le burge euh, ça sent le brûlé et tout, c'est pas bon Oh belle Très content ouais, ouais. Très très content Ah ouais c'est moche hein. Je vais pu lui mettre un dégât de plus est et un raid. Ah ouais, c'est ma petite erreur Bon après, il euh, me pioche un peu du caca aussi alors montre-nous ce que tu fais, croquis. Il trouve quoi Une autre euh, moufette, je crois. À l'époque, on faisait des tournois euh, de blé de Beyblade, et on jouait à Magic avec les decks de l'enfant riche de l'école. C'est incroyable. <laughs> Magic et Beyblade, c'est ma vie. C'est ce que je fais moi. Tu te doses un peu sur les toupies Non, en vrai, pas trop. Mais en ça vrai, je viens de mentir. Dose à mon anniversaire. C'est vrai. Non, mais j'aime bien. Je, re je regarde du contenu Beyblade. J'ai acheté des Beyblades. Euh... À mon anniversaire il y avait des beublettes. j'aime bien quoi. juste que c'est vrai que chez moi, tous les après-midi, je lance pas la toupine. Il faut salre, il joue ça. Eh ouais. Bien ce qu'il fait. Hein. Hop, je lui montre quand même. Bien joué le croc. C'est très que bien. C'est pas, pas, ce pas ce que j'attends, quoi. On sait que ça, c'est cool. Eh ouais. Allez, remets-moi un petit... Ah, euh, et encore, euh, là, il avait une propale intéressante. Hein. Il joue des trucs au hein, CCM, mais qui se jouent pour euh, deux ou trois. Et du coup, quand il fait... Oui, connecte bien avec sûr. Il, il, a, il a le, le, le Ragdos boufflette. Euh, avec, euh, ou avec des Atraxa, ou alors avec des, avec des tyrans. Avec euh, les dinosaures, là, qui, euh, qui mettent trois dégâts. Dinosaures, le 5-4-5 le 5, -5 aussi pour 5, euh, le 5, 5 qui fait Vras. Qui peut se discard pour faire Tibet. oh, Franchement, jamais. Oh Trop mix. À la petite chauve-souris, Ruda MTG. Eh ben c'est parti. Ouais. Ouais, c'est Michel. Je ne peux pas de nouvelles, pas de faire confiance. Le pire au cœur. Allez, c'est parti avec le pire au cœur. Allez, quatre lampes de suite, pas facile, ouais. Merci pour le sub offert, Miss Casa. Merci, le Mise. On attend les streams toupie. Ah, Vous allez attendre un moment, hein, je pense. Oui, Mais je vois un lapin en Azorius. Ouais. Autre oiseau. Pour les oiseaux, ouais. Les oiseaux. Eh ben. Eh ben, ouais. Hein. Je crois que je fais ça. Ouais, pour commencer à la buffer et passer des points. Ouais. J'ai mar... l'impression que la meilleure souris, c'est vraiment celle qui fait trigger, les autres, le drop 2 là. Ouais. On n'a pas ces trucs qui trigger, j'ai l'impression. c'est pas très en bon. T'en as 8. T'en as 8 et t'as l'équipement de ton lord, donc t'as 12 cartes qui trigger tes souris. C'est acceptable en vrai. Hein. Ouais, mais ça trigger tard l'équipement du, du Lord. Ça trigger tard, mais t'as 8 trucs qui trigger tôt. Trigger tard, trigger tôt, trigger tard, trigger tôt. <coughs> ouais, je joue la version qui a pas progéniture. Je vais mettre un plus un plus un là-dessus, je crois. Ah, voilà, en comme vrai, ça, tu peux continuer à bourrer. Quand tu curves des petits spells, c'est bien la souris. Ouais, elle est cool. C'est juste en drop Là, Elle marche deux, bien euh... parce que t'as 12 drop 1, quoi. En fait, décurver avec un drop 1, c'est pas mal. Okay, délinquant et gada. Ça ne trigger pas avec son meneur. Enfin, je comprends pourquoi il veut des meneurs, mais, euh... mais j'ai pas l'impression que ce soit très bien. Ça prend ses 4 points, ça me fait plaisir. Oh, le streak bizarre. Oh, le buzz Ok, ça a le mérite d'être nouveau, euh, ce qu'il nous propose en tout cas. Bien. Merci pour il le se prime, Oh, il se cry et du coup il peut aller chercher d'autres trucs avec le délinquant Igada. Incroyable. Et bienvenue à toi, euh, Ippiki. Non, elle passe pas la, la rotation, la vagabonde. spell yes OK le tour d'après tu pourras le rejouer pour deux et jouer le pré pré précurseur directement même pas tu peux le rejouer pour un qu'est-ce que c'est naze C'est parce que c'est baissé par le coup de ta souris C'est bizarre, non Ouais, ouais c'est baissé, mais je peux pas le jouer le tour où ça a été comploté. Ok, dommage. Jouer ça maintenant. Bah sinon, c'était vraiment vous. naze, son ave-main. Là, tu peux pas la jouer, tu peux pas la prendre et la lancer. Non, non. Ok, ok. Bah, drop 1, hein, écoute, let's go. Hein. Bah, je crois pas, je crois que c'est pas bien de la jouer juste là, là. Pourquoi elle te, elle te fait quoi, cette petite. Euh... Bah là, si j'ajoute, la joue, ça me met une 1-2 alors que je peux la progéniter pour trigger ça tour d'après. Je peux okay. attaquer avec ça quand même. Si jamais il y... trade avec la lave-main, je peux jouer ça. Ah, si tu trades avec la lave-main, ça libère ton... Je, ton peux la... je pourrais la jouer pour 0 le tour d'après, ouais. Parce que c'est lui qui euh, applique la taxe. Et voilà, mais tu aurais pas pu la jouer pendant ton tour. Non, pas de suite, mais bon. Tour d'après, je pouvais faire ça ouais. et ça. Mais qui aurait clair. été deg. Ok, il joue bah, tous les oiseaux euh, du set. Mais du coup, pourquoi il joue des Gadda okay. qui pas un oiseau juste parce que euh, il trouve des... des cartes fly quoi Ouais, il peut plus jouer les cartes fly du dessus du pack. Je tente ça. Vas-y. S'il a encore un contre-sort, contre tu la perds et c'est pas grave quoi, c'est la vie. Il y a un deuxième ave main ouais. C'est chaud. Il vole lui. Ah oui, c'est le Mocker. Ouais, ah, tu peux t'en aller, Mais il y a trop de trop de board qui est trop gros. Et ma belle sur le board, ça va pas compenser, quoi. Mm. C'est amusant ce qu'il propose, c'est pas mal. Ouais. Double trigger, je mets plus un. 8, 10, ouais, je suis mort. Ouais, il a trop. Il a trop. Il a trop de capacité de bloc qui n'entache pas en plus le comeback qu'il est capable de te mettre. pan. Bon, bon. et bien joué. Et bien joué. Ah, Double interrupteur eu de... euh, il a mis deux bedfly euh, en nous enlevant deux spells, c'était trop dur. Ouais. On faisait un peu la course et bah, je suis pas cabra, enfin effet je pas cabra, c'est très fort dans ces curves là Bien joué à lui. Vas-y, hein, tu peux, tu peux quitter. Hein. Je pense qu'il a juste à incliner. Ouais, bah je vais voir si passe en phase d'attaque, je. Non, il veut jouer des sorts encore. Bon. Tu crois qu'il a pas, il a pas compté qu'il y avait 15 Ouais, on va, on va l'aider. Peut-être encore lancer des spells, euh, bon. On a, ouais, a d'autres choses à fouetter. Si, si, on, si on est mort, Ruda, tu, tu nous s'il te plaît. Oui. Genre, je pense pas qu'il n'avait pas ça en combo, là. Ah, euh, non, on se refait une, une petite, euh, petite game de souris et on se craft autre chose Ben, vas-y, let's go. Je suis chaud. Faut tester les grenouilles parce que ça ah, a ouais. l'air d'être le deck euh, que tout le monde déteste. C'est vrai qu'on en a pas on vu, là. Verra. Je suis très chaud sur Chauve-Souris aussi. Ouais. Oh, covert go, go MTG. Allez, let's go, hein. c'est parti. Oula, pas ouf ça. Ça, c'est pas ouf du tout. Ça, c'est plus ouf. Moi, c'est mieux. Je sais pas si t'enlèves pas un land, non ah, C'est dangereux. Après, c'est sûr que si tu trouves pas le troisième, t'as le seum. Mais en vrai, t'as combien de tours T'as. trois tours de piocher un land. C'est dangereux, c'est un pari que je prendrais, mais là je comprends qu'on le prenne pas si tu veux pas. Allez, ouais, je te suis. Tu le prends Ok. oui C'est ce que, ce que j'aurais fait euh, in real life. Mais j'aurais pu être puni pour ça. Si j'avais le drop 2 qui cible, j'aurais été serein de la garder à 2, mais... Là on ne l'a pas. Insidious Roots. Ouais, il y a de grandes chances. Ça chauffe grave les gens en hein, route, euh, c'est marrant. Ok, bah écoute, on va continuer à développer. Hein. Non, je mets, euh, je mets des points là. Allez, le troisième land, please, me faites pas mentir. En fait, j'ai l'impression qu'avec notre deck souris, on a quand même besoin d'avoir un certain... Un Certain nombre de, oui. de, de, de cartes pour aller au bout, une espèce de masse critique. Et c'est vrai que si tu commences à piocher un quatrième land, c'était un peu l'enfer. Euh, on était, je pense, à 40% de trouver un land, donc on n'est pas sûr en deux draws. Non, on n'est pas sûr, mais tu sais, j'ai estimé qu'on était au moins à deux tiers. Deux tiers, et ça nous ouvre direct une belle main. On va voir si on est puni ou pas. Bon, au pire, tu peux jouer ta souris. Hein. Tu as quand même un play si tu trouves pas directement le land. Ouais. Nice. On est dans les 70%, ça fait plaisir. De toute façon, moi j'aime bien les decks 70%. J'ai joué Bucky à un tournoi. Donc, euh, Bucky, c'est 73% de chance quand tu mouligas 7. Donc, euh, soit tu es dans les 27, soit tu es dans les 73. 73% de chance d'avoir euh, Bucky. Ouais. Si tu mulligan de manière disciplinée. Genre, si t'as pas Bucky, c'est mulligan. Dans beaucoup de matchups, ouais. Ok. Camélia, la grip graine. Oh La grip graine, dites la grip graine plein de fois de La grip graine. Ah mais du coup, t'es content de voir la grip graine La grip graine, la grip graine, la grip graine, la grip Je crois que ça va être euh... souris, attaque, frénésie, ciao. Ouais. fait plaisir ça. Hein. Route cimetière alors qu'il y a Rip dans le format. Ouais, bah après tu peux le casser, hein. une piste attention. Mais je vois, je, je suis d'accord que c'est assez facilement attaquable, ouais. Ah non, putain, j'ai pas de main rouge. Je peux pas tuer un truc. Ah bah je joue pas la souris alors, pas grave. Oh là là bah... qu'il faut quand même tuer Kameya. Je peux. Le jeu répond plus. Le jeu ne répond plus là. Tu non. peux pas attaquer. C'est bon, il ah répond. Ouais, tu... Je fais. Euh... Je peux pas tuer je j'ai pas de mana rouge. Du tout. Ah oui, ça fait pas de mana rouge, tu as raison. Faire ça. Amusant. Oui, parce que village ça fait du mana rouge seulement pour les créatures. C'est ça. Effectivement. Un peu dommage. Allez. Allez le jeu. Ah, allez le jeu. Ah, allez le jeu. Ah, allez. Voilà. Tu lui mets quand même un petit tartisson hein, Je lui propose un... de le tartisonner. Ouais. Tu pouvais aussi euh, je... équiper ta défieuse, T'aurais eu un trigger. Euh, tu préfères une carte plutôt que plus à tout le board Bah ça dépend. Si tu veux débloquer ton mana rouge peut-être, mais 60 ans. Euh, vous jouez d'ici Ouais bon il a abdiqué là. Ouais. Bah insane. Hein avec les souris, c'est comme les lapins, c'est insane. Pour l'instant, euh, tout, oui, euh, tout ce qui est rongeur, c'est insane. Maintenant, je vous propose de passer à tout ce qui est amphibie. Et je pense que là, voilà, moi, j'ai je, 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 des envies, mais j'ai pas beaucoup d'attentes. J'écoute. Mais j'ai très envie. Ouais, Alors, Je peux taper les grenouilles. Nez... Ouais, je pense. Là, je pense que tu peux vraiment taper une grenouille. Ouais. Ah, as ré eh, ne... fois attends, quand attends me... mais mon E ne marche plus. Ah si, c'est bon ça peut être deux fois le même truc tu peux mettre le premier là le premier spell c'est bien ça ouais. ok c'est un spell qui est assez fort ça euh, dans les grenouilles vertes tu peux mettre les deux drops les deux dropins les trois dropins même en fait les trois premiers dropins tu peux les mettre alors hop, hop, hop. c'est ça et après tu hum, la grenouille prophète qui est la carte bicolore splitée Grenouille prophète. Elle est à côté de Clément. Ça, ah ça. Oui, ouais, exactement. Ensuite, tu as le porte-mage austère, qui est la créature bleue rare, qui est à gauche. Et ensuite, tu as le scribe des trois arbres. Et normalement, tu as tout le deck. C'est une grenouille Oui. C'est est un drop 2. De... Il est tout à gauche, en bas. Ok. Et là, maintenant, au niveau de la mana base, c'est quatre cavernes. 4 Côtes de Yavi Maya et 4 sanctuaires bot botaniques. Alors, c'est pas ça. Tu peux même mettre 2 tiges Côte de, de Yavi Maya, euh, sanctuaires botaniques. Et 2 tiges de vignes euh, tourmentées. Ah ouais, avec tous les drop qu'on a as quand même... En fait, tu as 24 landes. Donc, tu auras quand même euh, 16 euh, sources de verre euh, dégagées au 1 avec tes euh, 8 forêts. Euh... Avec tes 4 cavernes et compagnie. Euh... En fait, il faut 16, de... 16 sources d'étapes euh, vertes une faut. Ok, 4 et 6, on est bon. Euh, non, tu fais 4 villages de chêne creux. Villages ouais, oui. de chêne creux. Il Village... n'y a pas de S. Et 2 villages du nénuphare. 2 et 2 et après tu joues 2 et 2 ouais et vas-y là compte s'il y a bien 16 euh, sources de verre dégagé T1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 Et bien dans ce cas-là on est Pico Bello Je fabrique tout et c'est parti Alors là euh, on est sur un truc euh, c'est vraiment du test On sait pas. vraiment du test On voit Il y a de la grosse synergie si ça tourne ça peut être assez impressionnant par contre, c'est un peu le château de cartes quoi. Si tu retires la carte du bas, peut-être que les fondations s'écroulent. Ça peut être compliqué. C'est un peu comme lapin en vrai. Sauf que lapin euh, tu peux encore un peu faire du board. Euh, la grenouille euh, tu peux plus. bat ouais. MTG. Mais si grenouille c'est fort, je pense c'est plus fort que lapin, mais il faut que ça soit fort et c'est probablement plus faible. En fait, c'est un meilleur plafond mais c'est un plancher plus bas. On fait des mains de merde là. Par tu contre... trouves euh... Tu fais des mains de merde comme ça, c'est fou. Okay. Bon bah, désolé hein, c'est le deck veut nous veut du mal. Je fais ce que je peux ouais. avec ce que j'ai. Ah la matière première est pas brillante ici hein. Non. Il y avait pas des bonnes euh, bonnes grenouilles là dans le standard déjà Des grenouilles d'avant. Ouais. Non, t'as juste la grenouille Death Touch qui rampe de 1, enfin qui donne du mana. Une grenouille arboricole. Ouais. Bonjour. Bonjour, hein. Ok, tu veux piocher une petite carte ou euh, développer ton scribe Faut que ça quitte le champ de bataille, donc on en est un peu loin, je crois que je peux refaire piocher. En même temps, si Mix est nul. Ah bah Eric, si vous faites aucun effort aussi. Moi j'ai besoin de vous le chat. Hein. Que je suis une carte. Ah Le C. Clément c'est le sang. Pardon. Excusez-moi, j'ai tapé dans mon micro. Ah Clément c'est le sang. Oula, je sais très bien ce qu'il fait lui. Ça risque de taper vite et fort. Ça risque de taper fort et vite, même, si j'ose dire. C'est pas mal, ça. Aucun, hein ça. Ouais. ouais. Je 4T, on, a le deck, où, euh... on a le deck Ragdos Lézard, euh, nous aussi. Nice. J'ajoute un mana rouge et un mana noir à ma poule. Fin de tour à toi. Ah! Ça va, s'il fait anti ou... derrière, ça va. Et ça va ou ça... quoi? Et ouais. Franchement, les, les streams d'AP pour souffrir comme ça, euh, c'est non. C'est non. C'est oui ou c'est non? Vous avez entendu? C'est non. C'est non, on est d'accord. Hein. Bah, bah, Clément, hein. le bon vieux Clem. Le C. Et là derrière, on commencera à faire des petites bêtises avec notre prophète. N'empêche que le euh, mon Clément là, eh ben, il bloque tous ces merdes là. C'est vrai, hein c'est vrai que pour l'instant, ce qu'il fait, c'est pas si impressionnant maintenant. Maintenant qu'on le dit, vous comptez tester Iset Loutre. Moi, j'ai pas trouvé euh, de bonne decklist, euh, Mister Dragon G, et j'ai pas buildé de Iset Loutre. Donc, euh, donc je pense pas le tester ce soir. Ah Mais t'inquiète pas. Bah, yes Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'allais te demander, est-ce qu'on se renvoie le prophète dans la main? Et ça, a time out, parce que le jeu est très lent. Donc euh... Oh merde! Bah, tu pourras je le renvoyer le dans ta main en, en développant Avec autre ça. chose. Ouais. Je pense qu'on avait envie de garder son mana. Ouais, c'est probable. C'est probable bon. que, que ça soit pas très grave. J'aurais aimé euh, choisir quand même. ne maîtrisait pas l'art des grenouilles ben franchement euh... ouais, si Sigma X je, pense... Là, je pense que là si hein. est-ce qu'il y a un deck de prévu non Tout... tu sais toutes les tribus ne sont pas égales euh, dans Bloomboro les écureuils les rats les oiseaux c'est pas facile hein. okay, ok donc là t'as Simana c'est ça donc tu peux faire Scribe enjôleur et si je fais tu fais enjôleur qui reprend euh, prophète, c'est ça Tu fais d'abord scribe et enjôleur qui reprend prophète euh, qui... Ouais, je crois. Bah, dis, c'est cool. Oh putain. J'ai plus de temps, donc si le jeu est trop long, je peux pas casser tous mes sorts. Ouais, c'est un peu frustrant parce que là, le deck grenouille, il fonctionne un peu, quoi. Enfin, en tout cas, notre pot, il ne tue pas nos bêtes, donc on aimerait mmh. bien voir ce que ça propose.

J'ai tourné un prophète. truc ou pas? Là d'abord, tu récupères ton prophète. Ouais. Ah, et, et je peux cibler mon prophète dit... pour draw 2. Vas-y. C'est un deck qui aimerait beaucoup le battre. Ouais, il est cool. Bah, C'est un peu Animar. Hein. C'est un peu son Curio, où tu t'aimes tes propres bêtes. Hein. Mm. C'est ce que j'aime bien aussi. C'est un marqueur. Tu mets ton marqueur sur lui. Vas-y, ouais. Ok, bon, l'adversaire, effectivement, n'interagit pas du tout, et j'aime bien ce qu'on fait. En fait, tu fais des choses... Un peu puissante dès lors que ton opo il te laisse un peu faire, mais c'est clément en fait. C'est vrai que si t'as pas clément, je pense que le deck est, est compliqué. Et il faut deux cléments. Il faut le clément l'herbe trouble et le clément l'adversaire. <laughs> ouais. C'est et clément c'est pas non plus trop trop. Euh... Après courant, après on donc... est en mulligan 5 on est en mulligan 5 on fait une sortie de merde. Mmh. Je pense qu'on pourra rejuger un peu le deck aussi. Euh... Oui. Oui. Parce que là, t'as un milliard de mana le tour d'après. Si le jeu il bug pas, tu peux faire n'imp. Hein. 5, 6, 7, j'ai 8 mana, ouais. Ok, donc land, grenouille. Là, tu développes prophète. Que tu pourras renvoyer. Non, tu pourras pas le renvoyer pour l'instant. C'est pour ça que les tours 1 sont importants. On ne joue que 12. Donc c'est normal de ne pas en avoir pioché. Ah non, c'est pas normal. Parce que du coup, tu mets tes tours 1, tu les renvoies avec tes tours 2, tu tries le scribe et tout. Ah bah bien sûr. Ouais. Il y a dans la liste que, que j'ai pris de grenouilles, il n'y avait pas 12 tours 1, il y en avait que 8. Parce qu'il jouait pas la grenouille qui se met des marqueurs quand tu remontes un truc. Et je pense que dans la synergie grenouille, il faut la jouer. Euh, il fait... Attends, c'est le bon que j'ai mis, là De quoi Oui, c'est le bon tourin que j'ai mis. Ouais. C'est fort, quand même, ça. Moi, ouais, c'est bien. C'est un 3 pour 2 qui fait gagner un point de vie. Une bonne bête. Hein euh, je vais le mettre sur le scribe. C'est ça. Là, je vais jouer ça. Je sais pas si tu voulais engager ton enjôleur, mais le jeu te l'a fait en tout cas. Ouais, j'avais envie d'enjôler en, cet enjôleur. Je vais reprendre ça. Et tu peux reprendre ça. Prieur. Mettre là-dessus. Ah, tu Et peux buffer tout le monde, c'est marrant. Ouais. Non, je vais perdre un point de vie là. Il faudrait d'autres mécaniques de, de draw. Là. Si tu avais le 1-3 sur le board, tu ferais n'importe quoi. Parce que dès qu'une grenouille quitte le champ de bataille, tu pioches une carte. Ah, c'est pas quand je paye 2 Non, c'est tout le temps Non. Ouais, c'est tout le temps. Solide. Enfin, attends. Je vérifie que je te, que je te dise pas de bêtises. Non, en fait, 2 c'est pour renvoyer une créature que tu contrôles. Donc tu pourrais trigger avec ton prophète. Mmh. Et dans tous les cas, à chaque fois, tu piocherais une carte. Ça serait délirant. En vrai, ce deck-là, si tu laisses, ce setup, il est délirant. Mais voilà, c'est un deck qui a un plafond très haut avec un plancher très bas. Pas d'attaque. Ouais, dans une bagarre de, de board, c'est pas mal des grenouilles, mais il faut pouvoir faire une bagarre de board, quoi. Il peut me lancer deux. Très spells, RP les frogs, c'est clair. Bon, je, non, pense qu que... je pense que si c'était un peu plus fort, les, euh, les frogs, ce serait vraiment très très fort. Et là, j'ai l'impression qu'on est juste à la limite et que c'est peut-être pas assez fort du coup. Après, attention, rappelle-toi, dans cette game, tu es en mooligan 5, tu pas de drop 1 et tu trouves pas l'inébleur principal de ton deck qui est le drop 2. Ouais, mais j'ai aucune interaction donc je fais ce que je veux. C'est ce qui fait que du coup, on joue une partie équilibrée effectivement. Merci Holetaire pour, pour le sub. Merci beaucoup pour le sub. Hey, il nous a piqué notre druide. Mmh. Allez, n'importe quel euh, drop. Euh, alors des drops 3, t'en as pas. n'importe quel drop. Si, enfin, tu peux repêcher re Clément ou en Jôleur. Et là, on part en, on part en live. Bref. Trop de lande. Il fait quoi le lande bleu, s'il te plaît Surveille 2 si j'ai un... un truc qui est arrivé sur le chemin d'expansion contre le sourcil. Oui, voilà, je peux rien envoyer dans ma main. Franchement, le jeu n'est pas clément avec nous. Je peux mots, ça. clément, la grenouille. Et c'est tout. Hein. Bah oui. Et c'est déjà cool, en vrai. Et C'est déjà cool. Bro. ça donne quoi Blomborough C'est assez marrant, euh, Urleter. Truc, c'est voilà quoi. Il nous a piqué quoi Il nous a piqué cinq ah, spells. l'enjoleur. Ouais, ouais. Oui, mais je voulais voir quelles étaient les spells. Ah, ouais. C'est quoi C'est que tu... c'est Clément, l'enjôleur et euh... double enjoleur, enj... euh... Clément, meneur et scribe. Ok. David Zima bienvenue à vous voilà juste on n'a pas de gestion à jasper donc euh... ouais mais lui il a pas les il n'a pas les manas pour tout, tout jouer s'il ouais, fait enjôleur ok c'est fort hein, mais bah, derrière il passe turn Alors, et en toi, fait, là, on euh, n'a pas de piètre donc euh, et on attaque et il bloque avec euh, nos bêtes oui, mais tu peux partir en live euh, dès lors que toi tu trouves euh, un truc qui commence à lancer la mécanique de draw euh, à ton tour ouais En plus comme toutes tes grenouilles euh, produisent du mana, peut-être qu'il y a moyen que tu, euh, tu génères un board de fou. Ce hein. serait cool. C'est vrai que je ne sais pas comment il tue ce deck. Le celui de l'Oppo ou le tien Le mien. Ah oh, le sien j'ai vu. Bah, En développant toutes les grenouilles sur ton board. Ouais il faut que tu fasses un board énorme quoi. Non mais je pense que tu peux le faire rapidement en vrai. Là, on s'est fait stall parce qu'on pioche des landes, mais. Eh, voilà, lui, il est bien. Et lui, tu peux remonter un drop 1. Ok, tu peux commencer à piocher les cartes du coup. Il faut que ça monte, hein. il faut que tu en pioches d'autres, mais. Oui. Si tu arrives à remonter ton enjôleur pour commencer à piocher. Pourquoi pas mettre une ou deux Nissa bah, L'idée là c'était de tester les grenouilles. Après, s'il faut fine-tuner le deck, on réfléchira plus tard. Pas il y a cela déjà, on voulait voir ce que faisait le, le paquet. Qui okay, ont survit. Je vais prendre deux par contre. là. Hein. Euh, marqueur sur euh, mes grosses bêtes, sur lui là, qui puisse attaquer un peu. faut que tu retrouves une grenouille ouais, tu retrouves pas de grenouille ouais. tu peux sur tu peux surveiller deux avec ton village hein. j'aurais peut-être dû le faire de, en réponse de... ah Non, on le sait peux... ah, effectivement ouais. maintenant on le sait effectivement mettre un marqueur sur lui Auquel cas, ça mange pas de pain que de le faire quand même pour, euh, pour voir quoi. Ouais. Mais oui, effectivement, tu aurais pu filtrer ta avec euh, avec Soland, euh, ce, ce qui est ce qui est sympa, c'est un petit effet qui se coule. S'il n'arrive pas à nous tuer, euh... bah en il fait, il, il, a... il a Jasper et combattant, donc euh, le temps que nous on ait un board on sera mort. Mais... Ah bon bah nous regrettons, il y avait deux landes, ça ne changeait rien. Euh... Mettre un marqueur sur tous les trucs qui sont arrivés en jeu sourcil Puis avec lui. Je crois que c'est comme ça en fait que le deck tue. Hein. Juste en. Ah merde, ça marche pas. Putain. En buffant un peu tout le monde. Ça marche pas et le jeu a planté. Ah, pourquoi on s'est pingué Est-ce qu'on a que du mana vert comme ça Okay. Que des non, non. Je vois... Ah non, putain, si me le trait de Chideig. Ouais, ouais, traite avec... pas Clément parce que le tour d'après, tu peux commencer à faire des bêtises avec ton, avec ton 2-4 là. Attention je... à ne pas mourir sur le comeback non plus, il peut tout prendre, je crois qu'il faut que tu attaques avec rien. Ah ouais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bah, si te passe à 2, tu as perdu donc. Euh... Allez. Je pense qu'on est, on est, déjà probablement mort, donc attendons un peu quand même. Ah, il nous exige cette carte par tour. Il joue deux spells, on prend deux. Ah bah écoute, on se barre on essaye. On se barre. Ah, en même temps, t'es Mulligan 5 et tu perds que des landes, donc. Euh... Ouais. Voilà, je crois que. Bah, J'ai envie on de croire. Prendre... Euh, euh, comment dire On pourrait juste, il pourrait juste passer le tour et le temps qu'on est en bord de l'étal, on serait mort avec la meule. Ouais. Il euh, y a un moyen de regagner des PV avec ta petite grenouille, par contre. En fait, avec ce deck, tu as moyen de gagner plein de PV, tu as moyen mmh. de piocher plein de cartes et tu moyen de mettre plein de marqueurs. Donc, tu as un peu des conditions de. Tu peux un peu tout faire dans ta game, mais ça demande de d'autres setups. Ouais. Là, je peux reprendre l'enjôleur, le jouer, ouais. récupérer le, le... 3 le profiter, ouais, le prophète, quand tu le rejoues, tu récupères ton drop 1. Ton drop mmh. 1, il te refera gagner un PV. Tu peux bouibouiter, en tout cas. Hein. À chaque fois qu'on lance un sort de laser, on prend un dégât, Faque enfin que lui, lance un sort de, de, de laser. Deux points. Il peut lancer un petit spell de lézard aussi, peut-être hmm. Si il attaque, on prend 1, on est à 3. Ouais, du coup on passe à 1 et on sera mort, je pense. Mais on pourra au moins voir tout ce que fait le deck. Oh, je pense que c'est pas ça qu'il faut tuer. Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va prendre 1 sur ça, 1 sur le board. Et ouais. va mourir. Bon, et regarde, du coup, coup, on est mort. Bien joué à Trodisbad. C'est bien battu. Ouais. Oh, l'espèce d'attrition là, c'était. Euh... C'était vénère. Oh, et là, c'est sûr qu'on est mort dans le tour. Parce que du coup, s'il si met le marqueur sur ça. Et que et ça, ça va trigger comme une grenouille. Oui, ou sur ça. Sur le drop 1, ça marche aussi. Il a bien compté, il est bon. Il a piloté ça correct. Bien joué. Mais écoute, on va relancer une game de grenouilles, ah On va se régaler, je pense. Il y a six attaquants parce qu'il a blinké ça. Euh, ah. Bien joué. Tu veux que je fasse boubouille quand même ou on part Bah ouais, vas-y. Bah viens, on pousse le deck. C'est le, le plaisir de voir ce que ça fait. Alors, prendre un mana vert. Je vais renvoyer. Franchement, est le... on n'est que là pour tester, de toute façon, pas pour gagner. Donc. Euh... Non, mais c'est juste que. Tester sur une autre game, c'était pas mal aussi, quoi. Ouais, mais là, t'as le plan. En fait, t'es setup avec à la fois euh, porte-mage et Clément, et je veux voir ce que ça développe. Ouais. Mettre un marqueur pour Clément. Pioche. Ok, en plus, t'as le bling, ça c'est bien. On rejouer Clément. Là, tu rejoues l'enjôleur. Putain. Ouais c'est pas le meilleur jour pour tester grenouille ouais, à cause du soft ouais. là, là j'ai plus qu'un qu seul sablier après ouais. chaud là, du coup je cible mon prophète il y a non, sans doute une combo à un... trouver au bout du deck. ouais Il y a peut-être un moyen de trouver un OTK. Il y a... Franchement, il y a un truc à faire avec les grenouilles. Ça me titille. Là, on voit juste les boucles qu'on peut mettre en place. Mais effectivement, il faut le tuner. Il faut lui trouver d'autres aspects. Quoi. Mais bon, là, avec le soft, on va avoir du mal à vous proposer quoi que ce soit ce soir. Dro de draw. Trigger. Marqueur sur Clément encore. Hop, on peut jouer le prophète de l'étang. C'est ça, tu pioches un milliard mais tu pourras pas stabiliser malheureusement. Et le deck en face on l'a dans la besace, on va vous le sortir après. Le deck Lizard? Ouais. Lézard crime. Que des criminels c'est les. Juste, les... Juste les arts. Juste les arts. Yes, on prend deux. Andrew. On, on reprend... Ah, c'est trop tard ou pas Confirmé. Ouais, mais en tu peux pas stabiliser. Qu'importe les boucles que tu fais. En fait, il faudrait qu'il trouve zéro spell sur les 9 cartes qu'il va m'exiler et la carte du dessus de son deck. Ouais. ouais. C'est peu, bon. de, chance. peu okay. de chance. que ça arrive. Je pars. Ouais, ouais. Okay. Et je voulais voir à quel point tu es capable de développer des grenouilles, à quel point tu es capable de piocher des cartes. Ouais. Ouais, quand on te laisse faire, il euh, y a un engine qui est quand même sympa. Surtout avec le pormage. Pormage, on dirait une façon de dire fromage. Le contrepétrie, genre. Le, le... le fromage, exactement. Ouais, les bon lézards, c'est pas mal. Mon hein. dieu, qu'il fait chaud. On va pouvoir se faire un petit deck lézard, là, on va se régaler, tiens. Un peu le, le ventilateur, vous me dites. Dites-lui. Non, mais il souffle pas sur le micro. Sauf Tonic MTG. Alors, on a Clément, on a un tour 1, un tour 2. Mais ce tour 1, j'ai l'impression qu'il qu est compliqué. Hein ah, ben bah c'est pas un vrai tour 1, hein, quoi. Si jamais tu fais ce tour 1-là, le tour 2, t'es obligé de faire Scrib et de te le renvoyer dans la main, c'est ça Ouais. Bah dans ce cas-là, tu gardes, mais tu la joues pas. Tu la, tu la joues que plus tard pour, euh, pour avoir un trigger. Okay. Tu gardes juste parce que t'as Scrib et Clément. Je peux en fait, je peux jouer Scribe. Je renvoie Scribe en main, je prends un marqueur sur l'aîné et un marqueur sur ça, il met 4. Tour 3, je joue Clément, je reprends l'aîné dans ma main. Bah vas-y, go. Essayons. Ouais, les arts dans... par rapport au deck Outlaw, euh... enfin, à l'extension Outlaw, ça marche très bien. Oh, on affronte les souris en face. Alors, les souris, elles vont peut-être pas trop interagir, par contre, elles vont nous bourrer assez rapidement. Hmm. T'es pas obligé de le retourner Je suis pas obligé de la renvoyer en main Renvoyer une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Si vous faites ainsi mettez un. Sinon, vous pouvez renvoyer. C'est sinon, je la renvoie pas Ou c'est ouais, si j'ai rien ce à que je t'ai dit au spoiler, je t'ai dit t'es pas obligé de renvoyer et, et tu m'as dit, dit que si, donc j'ai l'impression que t'es obligé de renvoyer. Eh ben on va voir. Scribe. C'est celui qui scribe tout. Mais c'est bizarrement formulé parce que là c'est un impératif, renvoyer une autre créature que vous contrôlez. Allez, deux points que notre drop 1 qui bourre. Hein. Si je suis pas obligé, c'est une de 2 pour 1, les gars. Ça n'a pas de sens. C'est juste broken. C'est pour, pour ça que ça me paraît bizarre. Le premier effet, tu es censé être obligé, oui. Ouais, on est d'accord. Ouais, je pense que tu es obligé. On va devoir reprendre le script en main. Et, et ça nous très bien. Je ne clique sur rien. On va voir si Arena me dit... Euh... Me dit est-ce que vous voulez ou ça me passe de direct. Direct. Normalement, c'est censé te le renvoyer direct en main en plus. Hein. Pas de bloc. Voilà. Bah ouais. On est bien obligé. Euh... Ouais, euh, le le, le, le Clem. Hein. Le Clem qui fait plaisir. Euh, non, je mets 4 points parce qu'il faut que je me renvoie ça en main. Ouais. Il est, il, est un peu, il est un peu technique le, le pack, mais je sais pas, tu sens que ça, ça gigote quoi. Oui, je peux scribe et hein. Ah non, il va y avoir deux et triggers. Dans... Eh oui, il va y avoir deux triggers. Ah, Alors que là, non, il faut que tu clément et que tu récupères ton aîné juste. Mais c'est de la merde en fait, aîné. Je comprends pas la carte. Bah, ça te permet à ton entretien de bouncer une carte quand t'as un board établi. Ouais, ouais. C'est un enableur en fait. Ouais, c'est un enableur 1. C'est pas une carte d'early de, game. Quand t'as un board de grenouille, c'est trop bien qu'à ton entretien, tu puisses renvoyer n'importe laquelle dans ta main. Mmh. Ouais, oh, une fois que tu as le board de tout à l'heure. C'est ça. C'est cool. Mmh, c'est cool. Ah, ben bah, s'il est seul, tu es pas obligé de le renvoyer, mais s'il mais est seul, c'est-à-dire que tu joues rien, euh, cette euh, Tuntura. Ouais. Un 2-2 pour 1 euh, qui t'empêche de curver, c'est quand même dommage. Non bloqué. Mmh, ok, j'ai 5 mana. Et là, du coup, tu peux scribe, scribe, scribe euh, aîné. Tu peux scribe, scribe aîné, aîné qui renverra scribe et qui permettra de trigger euh, le deuxième scribe. Mm. Si on a deux, est-ce qu'elles se boost mutuellement C'est probable que ça puisse marcher. Ouais. Je peux aussi euh, aîné, aîné portail. Ouais, c'est dommage de ne pas portail sur un bon ETB, mais. Mmh, ouais, donc je scribe et aîné. Je crois. Hein. C'est 2-3 pour 2, hein, les cocos, hein, quand même. Il y a des stats. Hein. Ouais, si on a deux, les plus de so On aurait pu aussi juste développer aîné et le renvoyer dans la main avec Scribe pour avoir un 3-4 et un 2-3. Ça nous aurait permis de bien bloquer et on aurait repris une aîné dans la main c'était probablement mieux scrib né scribe. ah ouais comme ça ouais je crois que c'était mieux parce que là on bloque pas super bien quoi ça dépend ce qu'il fait mais euh, on bloque pas mal hein. oui s'il si, si vient à buffer un peu son bord on risque d'être un peu un peu juste oh les justes je renvoie Scribe. Ben, je crois bien. De toute façon, qu'est-ce que tu veux renvoyer d'autre Je ne sais pas. On va mettre un marqueur sur Clément et sur Scribe. C'est ça. Je peux proposer ah, 3 voilà. points. 3 points, je vais me le renvoyer en main. Ouais, c'est ça. 3 points, tu te la renvoies en main avec Scribe et tu as du ton mana. Prophète. 3 points ou du mana fais plutôt du mana et renvoie toi là dans la main et c'est mieux pas euh, bah avec soit avec script plutôt j'imagine et derrière tu pourras redévelopper ton aîné une fois que tu auras joué ton prophète mmh. pour ton entretien remonter le prophète ouais. c'est ok c'est chiadé hein. ouais c'est pas mal l'aîné euh, sur du board ouais. là on Il vous propose chaud. de la grande magie hein. je pense qu'il n'y a personne qui joue grenouille ce soir ouais, ouais. Pour cause, c'est vraiment pas pas simple du tout. On reprend l'aîné Tu euh, gigabeuf tout le monde. Pas ce script, je pense, non. Si, il va rester là maintenant. Tu. Ouais, il peut-être rester là, en fait. Ouais, je pense que c'est la prophète de l'étang maintenant qui va qui va se barrer. Hein. Donc je fais ça. Ouais. Et prophète. On perd des tas de marqueurs dans l'opération, c'est-à-dire. Bah, vu que quand lui il quitte le champ de bataille, il trigger, dans tous les cas, ça n'a pas changé. Je crois pas qu'on perde tant que ça, euh... Max Holcorn. En limité, ça peut faire des trucs. Ouais, c'est probable, ouais. Après, bon, si ton limité il dépend d'une rare, c'est que c'est pas ouf de fou. Ouais, parce que l'aîné, c'est une rare aussi. Ah tu la renvoies Tu voulais pas que. Moi je voulais pas renvoyer celle-là. Je voulais qu'à l'entretien, elle te fasse renvoyer Prophète. Ah, tu voulais générer plus mmh, de marqueurs, toi Ouais, je crois que c'est pas mal, là. Hein. Moi, moi, mon play, c'était de... <laughs> on l'a bandé, le type, en face. Désolé, ah, c'est <laughs> le sort, hein. compl... Je pense aussi que ce qu'on faisait, c'était en train de l'écraser, hein, pour le coup. Ouais. Bah, On fait un board comme lui, mais gros. En fait, je pense qu'on aurait pu laisser l'aîné et renvoyer un des deux... des deux trucs qui se buffent. Parce que ça nous permettait à l'entretien de récupérer notre carte qui fait piocher. Mmh. Bah là, j'ai fait tout de suite les deux marqueurs. Donc, on avait un board plus faible si je ne le faisais pas. Tu avais un board plus faible, mais tu avais un board suffisant. Par contre, tu gagnais de la value. Tu as troqué ouais. des marqueurs contre de la value. En tout cas, les possibilités de Frog sont assez larges quand on te laisse un peu faire. Clément Isonyu n'a ah ouais. dû. Bah, je crois qu'en bataille David de board. De... Euh frog, ah non lapin ça devrait éclater frog parce que ça fait plein 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 de bêtes à voir hein. franchement je sais pas hein. mais ça bat bien souris, ça doit bien battre chauve-souris ce qui manque c'est p... ouais. bah il faut trouver une wincon une wincon un peu, un peu vénère quoi ouais levdev c'est trouissable c'est tout nul. Ouais, les mains okay. de départ, elles sont étranges. Ouais, c'est pas, pas ouf non plus. Hein. Non, mais ça va. Genre, tu curves des bêtes. T'en as une qui va grossir. Ouais, go. Hein. Ça bat pas les osios quand même. Franchement, je sais pas. En vrai, j'ai l'impression que grenouille, c'est où ça bat rien ou ça bat tout. Hein. Ça a l'air d'être. Euh... Genre là c'est le niveau zéro du deck et on fait plein de bouiboui mais mais ça a pas l'air compétitif mais ça, ça propose des choses que les autres ne proposent pas donc on est un peu dans le junk et parfois la, la limite est fine avec des decks puissants quoi ouais j'ai cru que c'était un fetch j'allais dire bah on, on est où là on oh est en timeless ou quoi fait quoi, quoi lui saut de lapin vous pensez que ça rentre dans boros convoque bonne question 3 ça met 3 bêtes quand tu t'es fait un petit script de ta sortie euh, ça te permet de tout de même faire euh, un truc j j très je suis pas sûr mais, mais je crois pas je suis pas certain de moi mais je dirais que non à la moindre vraie anti-bête grenouille ça remet pas j'ai l'impression probablement après on ah en, oui. en BO1 avec un deck patuné mais franchement tous les decks archétypes dont on vous parle ils se remettent pas très bien des, des... des swaps de board hein. Oh, c'est pas mal aussi, là, le petit portail avec la boussure. Ouais, ça a bien blinké ça. Bien faire draw 2. Mettre un marqueur au passage. Je un fond... décraton oh, laveur, non, c'est pas très... En tout cas, moi, euh, des grules, euh, grules monstres que j'ai vu passer, j'ai pas pris le temps d'essayer d'en buller un, je le ferai peut-être sur un stream, euh, sur une mativale, mais sur ma part, euh... ça m'a pas achalandé, quoi. On va pas attirer oh T'as vu Bah ouais Il joue euh, ce que les gens voulaient voir dans le chat Incroyable Voilà c'est juste une quête 4 portée Par contre le skin il est fou bah, C'est grulbist quoi Il joue grulbist, tu penses Bah il a l'air de jouer Grul la raton laveur quoi euh, Je vais ça ah, je, Franchement pareil hein, en... ton... Ouais, effectivement. Ton opo, il joue juste des créatures pour faire bagarre, que ce soit monogreen ou grule, tu avec les grenouilles, tu fais mieux que lui. Hein. Quoique non, ça ça mettait juste un marqueur en plus. Alors que j'ai peut-être pioché le... Euh, le drop 2 là. Euh, marqueur sur ça. Et j'ai pioché bien de la merde. Ouais, pas giga bien pioché, c'est pas très bien. En même temps, tu fais un. Gros, t'es au tour 4, regarde son board, regarde le tien. Je pense que t'es bien, y'a pas de galère. Il oui, y a 11, le, le pépère. Ah, y a pas interagi. On développe. Hein. Je développe. Et si le format est un peu tribal. Euh... Grenouille, c'est là. Hein. Pan, pan. Et voilà. Non, mais parce que Moi, je joue des ratons laveurs pour jouer des. Pour jouer des grosses bêtes. Ouais, bah après, il a fait, fait rien tour 1, gars. rien tour 2, un 4-4 tour 3 porté. Bon. L'adversaire, vraiment ça. pas joué. Ouais, mais. Ouais, mais même s'il avait fait un tour 1 et un tour 2 dans un plan créature. S'il jouait juste des bêtes. Ouais, bah ouais. Ça dépend. En hein, fait, si j'ai l'impression si... que si tu. Vas-y, vas-y. Si tu joues que des bêtes, je trouve que grenouille, ça éclate tout le monde. Ouais, après Magic, euh, malheureusement, c'est pas du tout ça. Bien sûr, mais on est, on, est, on est dans un set euh, Bloomboro qui va mettre en, en avant les tribus, tu vois. Mm. Et on est dans une version, encore une fois, qui n'est pas du tout dégrossie, tu vois. En fait, j'ai l'impression que tu as besoin d'une très grosse masse pour faire des choses. Donc je vois mal comment tu dégrossis, Grenouille. Je sais pas. J'étais je... curieux avant de le jouer et je suis curieux après, en tout cas. Je, le... je me dis qu'on n'a peut-être pas tout vu, quoi. Qu'est-ce qu'on fait On s'en lance une petite ou euh, on construit non, autre chose Je pense que c'est bon pour les grenouilles. Mais je pense que c'était bon. clair, clairement pas ridicule en fait. Pour moi, je pense on que tu a... t'attendais ouais. à ce que ça soit vachement plus nul en vrai. Ouais, je trouve que c'est pas très bien ce qu'on a fait. Sur un, comparé à un standard euh, classique. Ah mais bien sûr. Mais euh, dans la synergie tribale, sinon lapin, c'est pas très bien ce qu'on a fait non plus. Bah, lapin, le truc c'est que si jamais l'adversaire nous gère pas euh, un de nos tours de costaud, on l'éclate. Alors que là, euh, même s'il nous gère pas nos bêtes, euh, ça met un petit temps quoi. Alors, la dernière sortie était sympa, mais je, écoute, oui, je suis a... toujours euh, intéressé en tout cas. Il n'y rien... a pas beaucoup de decks qui, qui fassent ça. Je trouvais qu'il n'y avait rien de plus que euh, ce que d'autres tribus euh, pouvaient proposer. Ok. En fait, Alors ça... on part sur quoi maintenant? La plus grosse non. bête qu'on avait, c'était un truc, c'était une grenouille, mais ça trigger avec d'autres tribus. Donc, elle, elle serait grosse, peu importe la tribu que tu joues. Ah, mais c'est plutôt euh, dès que le bord des stall, grenouille fait n'importe quoi, tu pioches plein de cartes, tu mets des marqueurs partout. Euh, je trouve ça intéressant, quoi. Dans à une... voir, à voir. Dans un, dans un univers tribal. Du coup, on part sur les petits lézards. Allez. Alors, nos amis les lézards, je te laisse taper lézard. Les armes, je joue celui-ci. Exactement. Joue celui -ci. Et l'autre drop 1, c'est celui-là. Voilà, c'est tout. Ensuite, tu veux Gave, le brûleur. C'est les comme ça. On veut le mentor ou pas ça. Il y a des listes qui le jouent. Moi, j'aime pas des masses, mais tu peux en mettre deux. Je peux en mettre deux. Euh, ouais, Est-ce que mets je mets joue 3 déjà Jasper Voilà. Ouais, trois. Tu joues quatre combattants. Combattant, c'est quoi C'est le drop 3, là, les, deux, les deux drop 3, le combattant et le, et le meneur de flamme. Combattant. Ça Ouais, c'est ça. x 4 Ouais, c'est ça. Et 4 meneurs de, de flammes de vallée. Il est là. Ok. 4 exterminés, 4 frappes foudroyantes et 23 landes. Oh, les frappes foudroyantes, ça me régale. Euh, il me manque trois. Qu'est-ce qu qui, qu qui manque T'as mis les gaves hmm. Ah bah les geckos Les geckos de Cache -flammes. Ah voilà. Et tu peux retirer un land. Hop, 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 hop. de coupe noire. Et souffle sulfureuse. Tu as un petit man de land, non, je crois ça. pas. Jouer non, je, tu, tu peux, mais, euh, mais euh, j'en ai pas dans ma liste en tout cas. Des passages Non. Pas de passage. Je sais eu. que lui, euh, notre adversaire, en jouait, mais c'est chiant pour. En fait, si tu veux ton compte de, de, de c'est fonctionnel, chiant, ouais. tu peux pas jouer de passage. Que ouais. moi, je suis team pas de passage. Deux villages de pleine boue et trois villages de roqueparois. parois. Et cavernes. Aussi. cavernes. Euh, ouais, cavernes. Euh, village. Donc deux villages de pleine boue. Deux milliers. noirs et trois... Non, j'en ai mis à seulement trois. Quatre montagnes. Et après, c'est quatre montagnes de marée. Parfait. Ah, Il n'a pas voulu me l'enlever. Je vais avec tout. Et let's gong hein. On va tester ça. Et c'est parti pour les, les petits lézards. Les lézards. Pas de Boss, C'est quoi, Boss? Tu veux je regarde Il mmh, va falloir le nom français. Ah non, mais c'est bon, je vois ce que c'est. C'est le 2-4 pour 4. Les autres hors la loi que tu contrôles ont la célérité. Et sacré ah ouais. mercenaires rouges. Hein, hein. Non, j'ai pas de non. Euh, super boss. Non. Merci, déconne. Merci beaucoup. C'est parti pour le lézard. Je suis La question, c'est est-ce que tu bats Sunfall T5 Mais en BO1 comme ça, avec les decks pas dégrossis, il n'y a aucun deck tribal qui bat Sunfall T5. Euh, tu castes pas ton exterminé Mais sinon t'as une curve Drop 1, drop 2, drop 3 Et tu castes ton exterminé avec, ta... avec ton drop 2 Donc euh, go Pourquoi pas Oh la vive Lance J'ai l'air d'avoir besoin de cet exterminé très vite Après si UK Il joue euh, mono raid euh... Ah il est pas comme ça Il pas non plus Lasered ouais on fera on fera exterminer autour du coup tour d'après je peux refroidir de ville land mettre deux ou faire ça land tac, exterminer ah je fais rien de mon deuxième alors rouge, dommage ah pas exterminer tour 2. t'as dit ouais, quoi pas d'exterminer tour 2 Eh oui pourquoi ben, on a le gecko pas il, fonction... il fonctionne pas. Le... Ah ouais, ton gecko il fonctionne il pas. Faut il faut qu'il perde des points de vie sur Ouais, ouais. Bon, on a pioché Gav, c'est bah, pas, gev, pas hein. mal. Vas-y, vas-y. Oh, le counter spell rouge. Le rouge terspell. Un mana contre le Gav ciblé. Contre un sort de lézard ou bon, mercenaire. Ça, ça c'est bandit ça. Un mana rouge contre. Euh... Contrer le gaffe ciblé. <laughs> ouais, J'ai rien dit. J'ai rien dit. Eh bien je bloque la petite bête là. Hop là. Euh... Ouais, tu vas pouvoir faire anti-bête sur le squee avec ton gecko. Ouais. Et tu auras. Euh... Euh, si tu payes correctement, tu pourras jouer aussi ton drop 1. Donc tu peux jouer ton drop 1, jouer ton village, jouer ton gecko et exterminer. Je vais attaquer d'abord. Ok, un truc à tu peux... tu peux attaquer d'abord euh, si, tu... si tu le souhaites. Je le souhaite. mon aurait en AP on adore l'esprit. Ouais, j'avoue, je suis un peu dubitatif aussi euh, pour le coup. Il en faut pour tous les goûts. Je suis quand même pas méga fan du monorail en AP moi non plus. Donc on fait l'effort quoi. Il y en a qui font, il y en a qui font pas. Mais c'est pas parce que c'est mono hein, c'est plus en ancien deck standard. Tu vois, si quelqu'un me ramène euh, Temur analystes je suis pas giga content non plus, tu vois. Alors, heureusement il existe plus. Ouais, c'est pas possible, mais bon, on va dire 10 euh, Dymir euh, Midrange si vous voulez. Tous les petits pings là, euh, ça me régale. Ting 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 ting. Si j'avais un petit dropin rouge là, je faisais bam, bim, bim Ouais, tu pouvais rajouter un, un petit dropin lézard, ouais, ça aurait été pas mal. Oh, les jeux galère de fou, malade. Les arts, ça, ça s'enchaîne bien, hein. ça marche non, bien. Ouais, c'est cool. Hop là, le squee. Bon, en vrai, j'avais un non, board. Il fait... Euh... il fait pas partie de mon club, lui, euh, en face UK, okay, non J'avais un board suffisant pour peut-être discarder mon land. C'est mieux. Il joue sur mobile. non, c'est pas l'adversaire qui lance, c'est... C'est nous. C'est qui... le, le jeu qui a mal. Qui vont mal. De toute façon, il peut pas jouer sur mobile en, en stream d'AP. Phase d'attaque. Ouais. Ouais, vas-y, on prend. Ouais, j'aurais dû bloquer avec la 3-3, je pensais que j'ai double bloc. Change d'avis entre-temps. Non, mais t'as bien fait, si tu bloques avec la 3-3, tu perdais les deux, non non je voulais bloquer Kla ah 3-3 là-dessus. Il passe 5-5. Ok ouais. Stylé son deck en oui. tout cas. Si tu tournais autour de sa carte, tu pouvais double bloc, c'était pas gênant. Hein. Mm. Tu peux pas lui donner la célérité lui avec ton village Tu veux qu'il ait la double célérité il a la célérité effectivement. Ouais, c'est 2 mana. Ça c'est 1 plus le land. J'étais un peu short. C'est pas mal ça, garde ton ta montagne pour euh, l'effet du gecko. Ouais. Ouais, je mets tout là. Euh, fait tu prends combien s'il fait revenir Squid 1, 2, 3, 4, il lui manque... Euh... Ouais, il peut pas, donc pas ce oui. Ok, s'il si refait une rage monstrueuse, tu prends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, tu prends 10. J'en 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, euh, non, 8. Non, peut-être pas. Oh, je crois 8. Non, 8, j'ai mal compté, ouais. Bah, go alors. Oh, j'y fous tout dedans. Faut qu'il ait choc plus rage pour te tuer. Ok, un peu relou, mais Ok. Non c'est que les adversaires King Ice Il dit bien joué Et il a perdu sur cette montagne Ok nice Bien joué Il est pas si mal finalement ce combattant qui naît de l'âtre hein Vu que tu peux le trigger proactivement euh... Ouais C'est en fait c'est pas mal On l'a pas giga bien jugé lors des spoilers euh, Il est pas si mal hein. hum. En fait moi c'est les drop 3 qui prennent cut down euh, Je trouvais ça pas ouf mais bon c'est pas si mal. En tout cas, dans les arts, c'est ok parce que c'est un lézard. Ouais. sûr que c'est probablement pas le, le drop 3 préférentiel ouais. de, de Mono red Ça cogne bien les arts, hein j'aime bien. Ça cogne avec des Moi, bodies Oh, les body. C'est sympa, c'est sympa. Ouais. Vas-y, on en remet une petite avec les arts, hein, en vrai. Bah, c'est la première qu'on vient de faire, non Bah oui. Donc pour on ça. va en remettre une. Je suis pas vif, mais le jeu ne m'aide pas. Eh non là, le jeu il a un peu, il a un peu mal. Désolé pour ce stream d'AP avec le jeu qui lague un peu. C'est indépendant de notre volonté, bien sûr. Je pense que c'est vu que c'est des comptes prêtés qui doivent être hébergés sur des serveurs particuliers. J'imagine que ils sont pas aussi stables que le Magic Arena de base. Ça arrive. Non, pas de draft de prévu, Crimson Cobold. Oh, il y a dragon. Il y a le. Oh, il a mis de de la moufette. Ouais. Euh, la main insane. C'est parti. Euh, la main est cool, ouais. La main est cool. C'est dur de faire mieux. Hein. Ouais, tu préfères le drop un noir pour trigger crime. Non, c'est bon, c'est pas. Oui, il va trigger. Bah, il faut que t'attaques, quoi. Donc, oui. Selon ce qu'il joue, c'est pas tout à fait pareil, mais. Mais la main est cool, ouais. Il joue. Ah, faut ça. pas nous dire ce qu'il joue. Il laisse. On veut pas savoir. Ah je pense que c'était un guess. De Miles. Je ne sais pas. Ouais. Bon en tout cas si vous savez, ne dites pas. Non, il joue chauve-souris. Dommage. Non, c'est plus cool. Enfin, dommage pour le match -up, Dommage pour le -up, qu y a ouais. que ça, quoi. Alors on met ça. Oh, si je mets ça, j'attaque, il prend 3 là. Ouais, je pense qu'il vaut mieux que tu développes. En fait, mm. le, plan, le plan burn il marche pas contre chauve-souris. Un point. Bonjour. Oh, ça se fait des politesses entre streamers. J'ai pas les émotes. Masse. Il peut toujours jouer chauve-souris à Traxa, euh, Miles. On sait jamais. C'est vachement moins prévu. Moins prévisible, mais euh, il peut. Ça paraît vachement plus compliqué, ouais. C'est ma belle. C'est vrai qu'Atraxa, finalement, c'est quoi à part une grosse chauve-souris? Je suis assez d'accord avec cette vision. Ouais, j'aurais dit un ange mais bon, un ange c'est une grosse chauve-souris donc c'est bon. Euh, bah pour moi un ange c'est une grosse chauve-souris ouais. Mm. Et du coup une chauve-souris c'est un petit ange Et Une chauve-souris c'est un tout petit ange ouais. Ah, il me régale là. Ah, il joue la carte que tu voulais voir dans chauve-souris. Ouais. La meneuse de putréfaction de vallée. De vallée PL. Ah ben bah, toujours Okay, euh, écoute, les ping, euh... ça arrive avec un marqueur, c'est pas mal hein Je vais et laisser vivre ça, je crois, pour l'instant. Ouais. Si j'attaque, ah c'est très menaçant de toute façon. Ouais. J'aurais pu le lander ça, enfin jouer ça et, et tuer ça aussi, c'était pas mal peut-être. Bon, t'as pas trop peur de ce que ça peut faire là, le 1-3 pour l'instant, non? Va faire drain de vie 2. De... Un peu relou. Ouais, quoi. Je pense qu'il vaut mieux développer Jasper plutôt que de tuer ça. Mm. que c'est très bien. Quand même vachement mieux. Il y a quelqu'un qui a demandé dans la vidéo qui vient de sortir. Euh, Bonjour, est-ce que vous faites un stream d'AP J'ai pas trop le temps de me tenir au courant. C'est dans la vidéo, mon petit poulet. On est juste. C'est vrai qu'on le dit dans la vidéo, mais il y a des gens qui passent l'introduction, tu sais. Chez. Donc lui. Euh... Tu regardes lui, pas la... la vidéo qu'on a concoctée pour toi C'est chez. Oh la 5-4! As-tu vu? Je lui dire, je, je suis un gars sympa. As-tu vu ça, Val? Non, j'ai pas vu, pardon. Il 5, a fait quoi? 5-4 pour 3. Ah oui, ça, j'ai vu ça. En ragdos, ça n'a aucun sens, j'adore. Mologreen, euh, Molo il ne fait pas ça. Il ne fait pas les 5-4 pour 3. Caniseuse d'essence. Ça, on va le buter avant que ça devienne trop gros. Et ce sera juste à notre portée. Ah quoique il y aura déjà deux marqueurs qui va redistribuer. Quel enfer EB. Rin de vie 2. Zwix, marqueur. Pan, pan lion de vie, marqueur. Regarde 1, ce qui est descendu Il y a quoi comme vidéo sortie aujourd'hui? Non, mais quitte pas le stream tout de suite sur Le Terre. Tu la verras tout à l'heure. Mais c'est une douce vidéo qui risque de te plaire. Oh. Ah, parce que si les gens de la vidéo mettent sur pause pour venir et si les gens du stream mettent sur pause pour partir, il va y avoir un échange de flux. On va avoir du coup de nouveaux viewers instantanément. Ça trigger les arts, à mon gars. Ouais, du coup, c'est bien. Tu peux le mettre dans ton deck si tu veux. Bah, je vais le jouer, je vais exiler. Ouais, c'est ça. Tu le joues et tu frappes Foudroyant de son 4-3 et tu le bourres fort. C'est un peu dommage, il va mettre les marqueurs ailleurs, mais bon. Ouais. Parce qu'on a le choix. Euh, je, suis, je suis désolé, je vais couper mon micro, j'ai une urgence là, visiblement. Donc je vais, je vais répondre à mon téléphone et, et je reviens. Vas-y, vas-y. Je continue de rosser. Vas-y, vas-y. Il y a envie de faire caca. Hein. C'est ça l'urgence si vous demandez. Il a pris son téléphone, mais il est éteint, il n'y a plus de batterie. Et là, il est parti en direction de ses chiottes. Un point. Bam, bam, bam. Je me disais aussi. Ah, bah oui. Salut, Fitzoné. As-tu fait ta vidéo sur MTGO Alors, on n'a pas tourné avec euh, Thierry, mais il m'a montré. Donc euh, là, il faut que j'attende que mon compte soit validé. Et. Euh... Et, euh, et quand mon compte est validé, je pourrais vous faire la vidéo en vous montrant sur mon compte directement. Là, je ne peux pas... Euh, je pouvais pas me euh, faire la vidéo euh, comme ça. Quoi. Donc, euh, il m'a appris, il m'a tout montré, mais euh, je n'ai pas de compte MTGO euh, actif, entre guillemets. Alors, on attaque. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, on est bon, hein je crois. Trader, ouais, euh, pour 25 balles par mois, ça a être le mieux. Même point. J'aurais pu tout jouer avec ça. Ouais mais ça n'a pas la célérité donc euh, c'est pas très grave. Ah oui mais j'ai loupé un ping du, du GEV. Bien joué. Et lui il va être énorme. Ah j'ai loupé un dégât... Ouais non en fait tout jouer ça faisait deux dégâts de plus c'était bien. Moi j'étais concentré sur lui euh, qui attaque et, et ses deux dégâts. Ping ping. Les points que ça met, vénère vénère de fou. Zou, je viens de voir la miniature, la légendaire. Merci, à vous, euh, Je vous invite à aller voir. La miniature de la vidéo. Enfin, allez voir la vidéo avec la miniature plus tard. Il est de retour, mesdames et messieurs. Oula, c'est lag. Re, désolé. j'ai de retour. Un, un impératif. Bon, ça a bourré, j'imagine, là, le... le... le vol de... le vol de l'ordre. Euh, ça a bourré de fou, euh, mais au-delà du vol de Lord, euh, c'est le méchant de Harry Potter d'ailleurs. Euh, ouais, exactement. On a vraiment euh, proposé des trucs euh, très stylés. Mais l'espèce le, okay. de Lord, il marchait bien dans le deck aussi. Hein. Bah, t'as pris, pris le Lord, t'as fait frappe foudroyante sur son 1-3, t'as attaqué avec tout, et c'était un peu échec et mat Ou il y a eu d'autres. Euh... Euh, ouais, c'est ça en gros. Ok. Hum, je vais enlever un Land là, je pense. Tu peux enlever un land parce que tu as double drop 2, ou alors tu peux enlever un drop 2 parce ouais. que tu es sur de curve et ton drop 3. Moi j'aime bien enlever ouais. un land quand tu veux aligner beaucoup de cartes. Ouais, J'enlève land parce que j'ai ça qui peut me faire euh, deux manœuvres. Alors, ça. lui je le connais. Ah, lui je le connais. Lui le et lui on a une revanche à prendre. Lui c'est le premier, donc c'était bien 22-10. Exactement, c'est 22-10. Donc lui euh, on sait très bien ce qu'il fait. Alors là, en papier vous pouvez dire je joue fouet de vigne et je pose le land du coup engagé pour le payer, trigger, landfall, ça met un. Ça marche. Mais ça marche que. Ouais. Euh, et s'il appelle le judge, vous remballez vite vos cartes et vous partez en courant. Vous la concédez vous dites Non, euh, de toute façon, je vais la perdre. Mmh. Et je sais, tonton sur elle, que j'aurais dû t'écouter sur la bande d'Oslo, mais, hein. mais je, je ne t'ai pas écouté. Bande c'est ce vous la bande d'Oslo, là, dans le chat Qu'est-ce que c'est un Oslo Un chat agressif. Un, un gros chat même. Hein. Un gros... Oh, c une sacrée un... bête. C'est pas un si gros chat. Hein. C'est assez petit. Un ah oslo. bah c'est pas, un... pas un tigre, mais si t'as un oslo chez toi, les gens, ils trouvent ça bizarre. C'est un peu bizarre. C'est genre entre, ouais, le f... ouais. entre le sphinx et le chat, niveau taille. Mais je, je vois très bien ce que c'est un oslo parce qu'il y a des gens sur Facebook qui ont des oslos chez eux. Et ouais. franchement, c'est dangereux. Ah bah ouais, si... Euh... Bah vous voyez quand votre chat, des fois, il veut jouer avec vous, mais il est un peu vénère Et eh bien bah là, il peut ça faire fait... pareil, mais il te tuer. Ça fait quand même genre 15 kilos et 1 mètre, tu vois. Donc ouais. genre, quand tu le vois chez les gens, tu sais que c'est pas un chat. C'est plus petit qu'un Maine Coon Non, c'est plus gros qu'un Maine Coon. Ah ouais, ouais J'ai l'impression ouais, que Maine Coon, c'est très grand. Un bah, Maine Coon, c'est grand, c'est un peu pâteau, mais ça fait 10 kilos tout au plus, quoi. Alors, c'est un petit Oslo, peut-être. Le petit Oslo Bon, je l'attaque et il est à 21, là. Qu'est-ce qu'il se passe, Val eh ouais, je sais pas ce qui se passe. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais lui il nous a attrapé une fois, il ne peut pas nous attraper deux fois. C'était pas mieux de Gecko puis de Gev. Euh, ben je comptais me servir du Gecko potentiellement pour casser les drops 3. Mais euh... Ouah, Facebook, là. Bref, ouais, mais tu sais que Facebook, pour le game du TCG, c'est le réseau social le plus important avec Instagram. Si tu fais des achats entre particuliers, il n'y a pas mieux que Facebook, euh, Alienissimo. Donc, ouais, du coup... je suis un peu boomer, mais... Je vais le faire maintenant. Mais on est beaucoup à être sur FB. Pour les groupes de collectionneurs, c'est the place to be. The place to... Tu triggers pas Gecko Comment ça Mais si, il trigger Gecko, regardez. Qu'est-ce que tu dis, Ah, oh, Qu'est-ce que tu racontes Suivez, dis donc et est-ce que je discarde pour euh, essayer de trouver un land ou est-ce que je joue un truc euh, Ah, c'est sexy d'essayer de discard pour trouver un land, mais euh, ouais, c'est sexy. Ouais, je, je crois que je dois y aller là. On casse pas la moitié de notre main. Je trouve un land rouge en plus. Ça va me passer le tour parce que je le... Jeu là... Quel enfer. Non. C'est vrai, ça l'a fait. Oh, putain, mais merde. Ah, oh, c'est le stream oh On déconne. En plus on a déjà perdu contre lui, ça me met le seum. J'ai pas envie de repère contre Human Token 2018. J'ai juste perdu deux mana pour le plaisir. Ouais. Beaucoup de plaisir. Je suis très déçu de ne pas jouer mes petites cartes. Si vous avez l'air, enfin la musique dont j'ai utilisé l'air, vous êtes très fort. On l'entend régulièrement sur mes streams. Ah ouais, c'est ça arrive à l'inissimo. Ça, ça arrive En hein. plus, il, il nous fait caca dessus, quoi. On a un deck qui est censé bourrer et on se fait faire caca dessus. Qu'est-ce qu'il il, qu qu fait, là il Sacrifice, fait quoi Ah oui, tu froid. T'en as mis, c'est ton ami, ça Ah, ça nous a défaussé instant un truc qu'on pouvait pas caster, lourd. Bah, je vais faire double griffeur et j'attaque. Hein. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, ce vol. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que je te dis ça, que ça... <laughs> ah, ne, ne, ne dis rien. Ah, ne dis rien. rien. Fais donc. Oh, je pipe pas un mot, con. Un dégât. Griffeur. En vrai, là, le, le, le lord qui trigger à distance le 1-3 menace, il est sympa. Mais encore une fois, euh, tu le mets à la place de quoi là dans ton deck euh, Les places sont chères. Hein. Ah ouais, un peu. Peut-être qu'on hein. peut, qu peut cuter un peu de meneur de volée. Le flamme de vallée. Peut-être. Pinga. Ah pinga. Bam. 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 Et ouais mon gars. Tu vas chercher quoi, une vrasse, ouais. tu la joues, on n'a plus rien. Bien joué. Voilà. Très bien anti joué. Et... anti bête de masse et finito pipo. Eh bien moi, je vais top des quinlandes pour jouer ça et te mettre deux. Et tu seras trop d'eg. Là Lady la l'aere. La, la, ouais, the, the flow ça, ça bug pas chez les autres T'es sûr de, de l'info Peut-être reset le soft. Je peux redémarrer le soft, ouais, effectivement. Ben, on va redémarrer. Mais juste là, après. ça a l'air d'être un lag serveur et pas du soft pour le coup, mais, mais je vais essayer. Parce qu'en fait, le soft est fluide, toutes les animations sont fluides, mais il y a un décalage de fou entre le lancer de sort et. Ah, Mais du coup, est-ce que c'est pas un problème de connexion ça Mais auquel cas, tu serais pas capable de streamer et je pense que c'est un problème de connexion avec les serveurs du jeu. Ouais. Okay. Mais du coup ça veut dire que c'est pas le problème du serveur, c'est peut-être toi ta connexion avec le serveur, ouais. si les autres chez les autres ça bug pas. Est-ce que euh, vous pouvez checker des streams francophones, me dire si ça bug ouais. Parce que euh, comme on n'est pas sur les mêmes serveurs, ça veut un peu rien dire, mais ça veut déjà plus dire des trucs que les ricains. On peut s'affronter si on n'est pas sur les mêmes serveurs. Bah en fait c'est la distance entre l'AOT et le serveur. Hmm. Oui, on est sur le même serveur, pardon, je me suis mal exprimé, mais on n'est pas, pas sur les mêmes relais. Ouais, mais je vois ce que tu vois ce que tu veux dire. Nous, par exemple, le relais c'est Marseille. Marseille, Marseille. Bébé. Et bonsoir le chat, bienvenue à vous. Et bonjour. Oh, je peux le décoiner là Ah Touche ah, au terre, un enfin. dégât Je vais... Plaisir. Mais attends, es il, il, il de est quoi avec son cruauté de geek celui Et qu'est-ce que j'en sais moi Elle est cachée la est, carte. t'es pas posé la question, ça t'a pas intéressé une seule seconde de savoir ce qu'il est proposé lui. Ce qui m'intéresse c'est, vous perdez 3 points de vie. Le reste je m'en cague. <laughs> Il aurait pu aller chercher oh une brasse et en fait il en a pas quoi. Oui, oh, il oui, essaye oui, oui, de oui, oui. nous étourdir. Oh, <laughs> oh merde, oh c'est comme le serpent K. Oh, dans je suis possédé. Billet, tu, sais. ouais, ouais. tu es en mon pouvoir. Un Et là, mon gars, je vais Chez face il a, ça attaquer. Ne lague pas. Eh ben, on va relancer le soft pour vous, euh, mes amis. Tu prends deux petits dégâts, mon pote Oh, tu lui as mis une phase de bourre quand... J'ai l'impression d'imiter Tom la Sardine. C'est qui Tom la Sardine C'est un humoriste qui fait un personnage de, de marseillais euh, sur TikTok. Trigolori. Mais il a pas du tout l'accent normalement, mais par contre sur tous ses TikTok, il l'a. Ok. Pan, 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 pan. Moins 3 ça. Et 3 points de vie, c'est pile ce qu'il a perdu en allant chercher un truc on se sera vengé de Human Token 2210, qui était notre Nemesis sur ce stream d'AP. Et ça, c'est quand même le plus important. Nice. Alors... Alt F4 le, le jeu Je ferme le soft Y combo en pionnière avec le chat et Ragdos. Eh ouais, grâce ça a l'air d'être pas mal ouais, quand tu fais sacrifice. Il suffit d'avoir deux chats et ses combos. Stylé. C'est fort, hein parce que comme les chassons des foods. Mmh. Ouais, Tom Baldetti, exactement. À Merci Laurent regardé pour le sub. N'hésitez pas à aller euh, jeter un oeil à la vidéo top 5 des meilleures cartes de Blombo. Elle vient de sortir. Si jamais vous voulez aller euh, lâcher un un petit follow, mettre un petit commentaire, vous abonner à la chaîne. Il y a en plus un petit cadeau à gagner dans la vidéo. Donc voilà, tous ceux qui sont sur ce live, si vous passez un bon moment avec nous, vous passerez un délicieux moment sur la vidéo. Alors, vous allez sur la vidéo, vous la mettez sur pause, hein, comme ça vous la matez après le stream. Mais, euh, mais pour l'engagement YouTube, ça peut être sympa si les gens y vont, euh, y vont rapido. Normalement, si vous ouvrez votre navigateur YouTube et que vous nous suivez, elle devrait vous être mmh. proposée en plus. Si tu te demandais, Val, il fait 33 degrés dans mon bureau. Ouais, bah ça doit être à peu près ce que j'ai euh, par chez moi. Euh, non, t'as pas la température, toi Je sais pas la température, là, en direct. Mais je te dis qu'il doit faire bien. Euh, Il fait bien chaud. Au, au, au moins 30, je pense. Ok, je viens de la vidéo, je la regarderai après. Bah, bienvenue à toi, Tom ça Bienvenue. Fait je relance une petite écliseur pour tester les bugs. Et ensuite, on se fait un dernier deck, je pense. Ouais, c'est ça. Bah, on se fera chauve-souris pour finir. histoire oh, d'avoir fait un peu toutes les, euh, toutes oh. les euh, associations de grosses créatures cool. Oh les grosses. Les grosses créatures là. Avec des grosses stats. Ça y est, la fenêtre de YouTube est ouverte. Merci. Ah, je peux vous montrer la miniature euh, pour Et ceux la miniature qui est pixel. Qui hésiterait encore à cliquer? Bah justement, allez voir la miniature, ne leur montre pas. Ah ouais? Bah oui. Oh. Comme ça, ils vont voir la miniature parce qu'elle est bangers. Franchement, c'est pas mal. Hein. Vous avez testé les louloutres Non, on n'a pas testé les louloutres. Si j'ai pas Gave dans ma main, je concède. J'ai le Val d'EPL de YouTube qui m'a dit de venir sur Twitch. Vous êtes les boss, mais vous êtes les boss, euh, bienvenue. Je grid un land ou j'enlève une frappe Moi, bon, Tu grid un land en vrai. Bon, c'est ça que je voulais entendre, Val. Franchement, franchement, ta main, elle grid fort les landes là. Hein. Oui. Mais oui, comment le sais-tu Mais tu comment le sais oui Pauvre Plani. Non. Putain, ça enfin, joue des fausses interactions. C'est Monsieur Brochant pas... lui. Vu comme il est méchant. Ils sont pas là pour gueuler, Ouais ouais. Lui, il vient avec des copains. Il est là pour tout casser. Hein. Ah de fou. On préfère mettre trois points. Tu préfères mettre trois points et un marqueur sur le griffeur à gage. Ou mettre le griffeur à gage pour mettre un point bah, Tu veux vraiment que je réponde mmh, Oui. Bah, je préfère d'abord attaquer et buffer le griffeur. Oui mais si je le pose... Euh... Ah bah non, les deux marches. Parce que je vais pinguer. Extraordinaire. En fait j'allais attaquer dans tous les cas mais si j'attaque avant j'avais le marqueur. Et si ah je, oui, tu, tu ça marche. Le le en fait, pour... Mais ça marche dans tous les pour cas. Moi, c'était si tu le posais avant, tu avais pas le marqueur et du coup, bah, je préfère le marqueur que le trigger. C'était ça mon. Mais en fait, j'ai tout mon fou. objet. Bah, en fait, t'as tout. T'as tout. Putain, mais oh. c'est vrai. Attends, on est fou. On le valet de YouTube leur dit d'aller sur Twitch, mais le pelle de Twitch leur dit d'aller sur YouTube. Mais aller où Moi, j'ai pas dit d'aller sur, sur Youtube Instagram. La belle carte pro sur Instagram. Exactement. Tout converge ou, ou val underscore la belle carte si vous voulez voir des cartes là il vient de prendre cette exact oui euh, fats attack hein. pourrait, tr pourrait trouver des landes un jour quand même c'est surfait c'est l'unico non non on a vite enlevé le costume euh, le plus rapidement possible Eh ouais j'en ai un deuxième poulet Qu'est-ce qu'il y a Putain, tu vas le bourrer avec deux Landes. Franchement, euh, Ragdos Lézard, c'est pas gaulerie du tout. Hein. Ragdos Lézard, c'est vénère. Ah, un bon stop. Ah, ah ça y est. Le, 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 fun, euh, le fun est dead. J'ai rien qui ah, gère ça. Là, du ça. coup, auras vraiment besoin d'un troisième Land, quoi. Eh ouais. Voilà, on te voit quand jouer ton Animar euh, à Commander l'Assemblée ce week-end. Euh, tous les gens qui veulent m'affronter, je serai totalement disponible pour, euh, pour jouer contre vous. Et sinon, dans le seul ring qui sortira en novembre, Tazar. Oh, on est discard-proof. S'il attaque pas, voilà. on le tue. Ouais. Ouais. ouais, mais il va attaquer. On le tue sur un land. On Le fun est quasi infini à ce stade. Alors, au moins, il a le mérite de jouer des nouvelles cartes. On pourra pas le lui enlever. Ah, oh, c'est le talent du bandit. Ah, dommage, dommage, dommage. Ah, et ouais, hein, de la dommage. merde hein, quand même. Un peu de ah, la de merde dommage. quand même. Allez, passe aux chauves-souris, c'est bon. De toute façon, les arts, ça nous a déjà convaincus. On n'a tu... pas besoin d'en avoir plus. Tu préfères passer aux chauves-souris Ou passer aux choses ouais. sérieuses je préfère passer au chauves-souris. Ah franchement, bah. genre les choses sérieuses m'intéressent pas ce soir. Attends, mais il fait n'importe quoi Quoi J'ai gagné moi. Quoi <laughs> Bah oui Mais pourquoi Mais pourquoi ah tu fais il ça Il me l'a offert, c'est sympa de sa part. Ah ouais, c'est sport. sport. Il a, merci. Il a vu qu'on a Dessa de Land, il nous l'offre. Ouais, ouais, il est propre. Il merci me merci. régale. Il me régale. Franchement, ce, il aurait pu faire. Il il aurait pu faire no blocs, tu vois. Ah c'est vrai. Non mais là comme ça il se dit il a l'impression d'avoir bien joué d'avoir été smart. Alors qu'en fait Nico il nous a vu la, la veille de la catastrophe hein. C'est vrai. Vous savez qu'il nous voit la veille et le lendemain ou le surlendemain, il voit potentiellement les petites photos qui passent sur les réseaux. Et ouais, et il, il se dit qu'est-ce qu qui s'est passé Oh putain, c'est quoi le traquenard, on les a fait venir en Belgique pour ça Ouais, traquenard. Si j'avais su 1200 km, j'aurais pas fait. Euh, allez Batman. Chauven, 4 chauves-souris. Getteuse. Euh, bon, ouais, bah, vas-y, tu euh, tapé chauves-souris, je pense. Oui. Ah, il y en a quand même quelques-unes, ouais, ça va être chiant, donc vas-y. Euh... Ah non, pas tant que ça. Ok. Euh, le drop pain. pourquoi t'as pas le drop pain Clique sur fabriquer, il n'y est pas. Ah oui, putain, faut que j'en je mette à chaque fois, ça, c'est vrai. Non, voilà, c'est ça, le premier drop pain. canalise canalise-tu-là, mets la batte des cavernes, dit batte. Notre associé. Ah, c'est notre associé en fait, ouais. euh, la, la batte. C'est lui. <laughs> ok, je ne sais pas s'il sera ravi. Le clerc astrosophe. s'il te plaît. Oui, lui aussi. Alors, tu viens d'inventer le nom, donc. Euh... Non, non, je te jure. C'est vraiment une chauve-souris et un clerc à la fois. On, on nous prend pour des cons. Et de je vois pas ce qu'il a de cléric, celui-là. Celui-là, je rentre dans un monastère, je le vois, je sais que ce n'est pas un clerc. L'illustration du token est incroyable. Je suis fan. Ouais. Euh, Dites-moi à quoi vous fait penser euh, sur le token progéniture, l'espèce de, de château en fond. Si vous pensez à la même chose que moi, vous êtes très fort. Vas-y, remontre-le, du coup. Mr. Jack Ah, ça marche aussi, mais c'était pas ça. Ok. Ah, j'ai pas. Ah, je laisse le chat. Aklazot ah, x3, s'il te plaît. Oui. Et puis là, c'est le moment où on est, euh, bah, on est des sales types. 4 hein. exterminés, 4 droits à la gorge. Oh, des sales types. On joue chauve-souris, ça va Oui, mais bon. On est là pour rabattre aussi un peu le fun des autres. Et on joue 25 ah, et... Land Et on joue 25 Land parce qu'on a 3 à Clazote. Mais ouais. euh, si tu penses qu'en BO, on peut passer à 24, euh, tu peux mettre un. Oh, je sais on ce que je mets à 24. On, on peut tester le, le drop 2. Euh... Voilà. On peut tester un drop 2 comme ça Tu veux pas, tu veux pas en jouer plus, qui à... Soyons jusqu'au bout en mais... de 2 et j'enlèverai un clair astrozoffle. Ouais, ok. Ok, bah vas-y, go alors. Euh, et alors, du coup, pour les lands, vous n'avez pas trouvé le chat, euh, c'était... Attendez, je vous remontre. Dans le générique de euh, Titi et Grosbinet, le dessin animé. Ça me fait penser à ce ah ouais, bah, j'avais pas parce que j'ai même pas le g... j'ai même pas le ouais, trop précis, j'ai même pas le générique en tête là. Land. Souliteur, il y a un... je vois un peu ce qu'ils veulent dire. Souleiter mais... un peu aussi. Ouais. Mais mais non. Cave, cours, caverne. Ouais. Deux forteresses aussi. Ouais, J'y retourne juste après. Ça trigger les Quatre... PV, donc franchement il est bien quoi. Quatre cavernes des âmes. Quatre cavernes, ouais bien sûr. Les chauves-souris dans les cavernes donc euh, c'est fléau. Eh oui. Euh, tu m'as dit forteresse. Ouais, Fortress Tourmentée, c'est un tas plantes, mais il trigger avec ton plan, donc c'est ok. Ouais. Et 4 villages de plein 3-3 euh, Le split 3-3, ça dépend combien tu as de tour pour ta chauve-souris guetteuse. Je ferai 3-3 si tu as bien les 16 sources. Donc ça fait 4, 12. Non, tu as que 15. 15, c'est comme 16, non Vas-y, 3-3 ouais, je... alors. Ouais. Ouais, on s'en bat les couilles. J'ai la pelle, tu as raison, oh, merci. Je ne suis pas seul. Euh... Est-ce que je peux l'appeler Bigard, le deck Pour son sketch for chauve-souris. Vas-y, vas-y. Merci. Si je peux rendre hommage. <laughs> Allez, Bigard. J'aime pas si comme ça. pas grave. Oh la ref. Ah là c'est... Euh... J'ai euh... 6-7 ans. Rire et chanson en allant euh, à l'école dans la voiture avec les darons. Ouais, moi aussi, moi je suis un... Et bim. Mon père, mon père, c'est un gars de rire et chanson. Donc tous les ah, matins, ouais. rire et chanson, tous les soirs, rire et chanson quand il me récupère à l'école. Eh oui, Du rire et du rock, mec. C'est euh, forgé euh, par obligation, tu vois. Ouais. Et finalement, on y prend du plaisir. Hein. T'as as plus pris le rire ou le rock, toi, à l'époque moi j'adorais le rock, donc j'ai pris les deux, hein, mais je suis plus fan de rock maintenant que de rire. Ouais, je crois que j'ai plus pris le rire, mais je suis aussi fan de rock. On se complète bien. On se complète bien. Oh, je kipe. Hein. Euh, ouais, très bien, ouais. Très sympa On ça. A la meilleure carte du deck et puis d'autres. Moi je me souviens surtout le matin quand il m'a amené à l'école, les 2 minutes du peuple de François Pérus. Tu l'as ou pas 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, -ah. J'ai poncé ça aussi. J'ai écouté après même sur YouTube. Mais t'as. Ah, ok, toi t'as vraiment poncé parce que moi j'ai poncé par force en fait. Genre j'ai euh... jamais été chercher ça de moi-même. Ah, c'était fou. Euh, petite batte là Ouais, vas-y. Vas ah, petite batte, petite batte. Là, il nous déteste. Oh, ah, pas con euh, le GX. Pas con du tout. Bah ouais, mais c'est pas une chauve-souris donc. Euh... Euh, il veut nous curver quoi là Qu'est-ce qu'il veut nous curver dans le oh, gros hein Il a une version un peu. Euh... Bref, ça. Un peu particulière. Il n'y a pas de gestion. Hein ah, il joue Esper. Euh... Ah non, il joue pas Esper. Il joue ça off color pour trigger les pertes de points de vie. Trop malin. J'adore. Bah il peut il peut jouer le Hors of. Pourquoi il aurait besoin de ça Bah il joue les deux, chances. pense. À la place des bah, en Il en veut juste plus. Ça. Wow. Ok. Trop violent quoi. Chauve souris ouais ça je vais le kicker à 4 je vais le kickerie kicker. ça, ça a l'air mieux oh je gagne 2 points de vie je suis débutant j'ai fait monored, mais j'ai pas pu craft les landes ils sont importants je peux rester full montagne tu peux rester full montagne c'est la puissance de mono raid vas-y avec full montagne ça va tout droit il a pas de problème tu peux rester full monti même Oh, les, les triggers dans tous les sens. Quel plaisir. Zoraline. Zoraline. Ah, qui va te jouer un espèce de, de contre à deux, là Que dalle, mec. Vu qu'il qu a le, le oh bleu en off-color. Ouais. Et les pipou Elle essaie de faire des trucs. Ah, on dirait un peu. Tu vas me dire ce que t'en penses, toi qui es connaisseur un peu. Un on Pokémon. dirait le, le, ouais, le légendaire de la version Moon. Soleil et lune. Ouais, euh, c'est Solgado et Solgado, je ah, sais pas quoi, et l'autre. J'ai que le lion en tête. Eh ben, pas le lion, l'autre. Mais ouais, si j'ai pensé à un Pokémon, ça doit être lui, c'est ça. Eh ben, le légendaire de la version Lunala, voilà, le légendaire de la version euh, Moon. Euh, ça m'a fait pêcher un drop et ça, donc euh, gratuit. Beaucoup de plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Ouais, Lunala. Mais vous Ouah. avez la ref, Lunala, ou je suis le seul Ah, vu le nombre de gens qui disent Lunala, je crois qu'on l'a. Bah après, j'ai dit le légendaire de la version lune, tu vois, donc ils peuvent dire. Ah, ils peuvent juste aider sans trouver. Tu sais, ils peuvent tous répondre euh, non, je vois pas du tout le. Alors, non. Pas. Bonjour, non. Ah, t'aurais pu. Pourquoi tu l'as pas joué en main face, ce machin-là euh, Ça faisait quoi Ah non, faut qu'elle attaque elle. Ouais, faut que ça s'attaque. le ah, dis pas non, comme ça non, pour dire genre la carte est nulle, Val. Je te connais. Moi, elle est pas ouf, du coup. <laughs> elle est pourrie, du coup. <laughs> La carte est insane et euh, on s'apercevra plus tard que c'est joué dans tous les decks semi-tribaux. Elle est elle coussi-coussa, quoi. Mais du coup, c'est bien, c'est un écureuil que tu peux mettre dans un deck tribal. Ça, ça, ça sauve un petit peu tes envies, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais euh, écureuil, je vois un lord qui me menace à tout, je suis content. Et après, euh, ouais, il y en a deux autres qui font dans Manaverse c'est tout, il n'y a plus d'écureuil. Yes Yes Vous avez oublié de les éditer, du coup, j'ai l'impression. J'avoue, j'avoue, c'est abusé. Bon, après, il y a tellement de bestioles qu'il y a forcément une tribu qui allait être un peu moins présente. Ouais, on a vu les secrets, là, mon petit piton. Ils sont stylés. Ouais, le... le dismember, il est assez fou. Je voulais un petit dismember après... pimpé, bah, parfait. Je, je sais que les gens sont giga hype Moi, personnellement, c'est pas trop ma culture. J'ai pas, pas regardé ça quand j'étais plus jeune et j'ai pas refait ma culture. C'est pas un truc que mes parents m'ont partagé. Donc, tu vois, mon petit piton, moi, bah, ça me parle pas plus que ça. Mm. Mais je trouve ça très stylé, quoi. Moi, j'ai découvert. Culturellement, euh... c'est. Ouais, bah, en fait, où t'as découvert par tes à nos âges, hein Où t'as découvert par tes parents Où t'as rattrapé ça plus tard Ouais. Et, euh... Et moi, pour le coup, ni l'un ni l'autre. Donc, pour le coup, ça me parle pas plus que ça. Mais les cartes sont chouettes. Moi, c'était euh... avec les études, notamment. Ah ben bah voilà. Moi, j'ai pas eu d'études. Moi, j'ai. Moi, j'ai pas fait d'études. Non, mais j'ai pas eu d'études qui me demandaient d'étudier des textes ou des œuvres. Tu vois. Fait du droit, euh, franchement. Euh, à part lire euh, l'utopie de Thomas More, on euh, m'a pas trop proposé de, de lire des trucs. Euh... Et au lycée, euh, j'avais rien à lire, je crois, puisque j'avais juste le bac de français et on lisait du coup pas des trucs euh, anglais, quoi. Le bac de fr. Un petit loutre. Ok, il joue Temur, euh, il joue euh, prouesse loutre lui. Ils prowess prouesse. prowess prouesse dans tous les standards. Euh, on a l'impression que ça peut fonctionner. Ça fonctionne jamais. Ils prowess Je crois que tu commences d'abord par chauve-souris, moi. Parce que si la double anti-bête, tu peux. Celle-là le... Oui. Enfin, double chauve-souris, pour moi, c'est vrai que c'est celle du standard, mais euh... tu as compris quoi. Oh Pour deux mana, tu draws deux. C'était une loutre. Cheaté. Très bien ça. Je vais lui enlever ça. Cette fois, ça va marcher, tu penses, ils spell je suis toujours dubitatif de fou, moi. J'y crois à mort. Ah, mais si, Z-spell, ça marche parce qu'on joue euh, euh, combo, ça compte pas. Hein. Je suis désolé. Non, non, moi, je parle, je parle d'Z-spell, ouais, je parle pas de is combo Écoute, euh, je proposais ça. Après, si c'est vraiment prouesse aggro et qu'il se trouve que t'as la, la 1-4 qui se dédouble. Ouais, J'accepte, tu vois. Mais si tout le deck ne sert qu'à assembler la combo tout en temporisant l'early game, c'est pas, pas un deck spell. Oh! Le bug saisi. On en parle? Ouais, ouais. <laughs> si tu veux. Hyper bizarre. Allô Ouais, c'est bizarre, ouais. Cho choquant. Choquant, choquant. En vrai, sa loutre là, va faire des trucs dans son deck. Ah oui! Ouais, ça j'ai vu. Ah oui! Euh, L'armée des douze singes. D'accord. Uhuh. C'est pas mal hein, ce qu'il fait. Après, je l'avais discard donc c'est bizarre qu'elle soit sur champ bataille. Ouais. T'as vu lui, il fait des dingueries avec la loutre. Hein. Ouais. J'aurais pas pensé que c'était bien en prouesse pour le coup. J'avoue que ça marche bien là. Eh hey, tiens, je t'arrive ta pioche. Il fout deux. Comment sont les decks à l'épreuve du feu ouais, Franchement, il euh, y a pas mal de trucs qui sont satisfaisants. Et hop Je crois que chauve-souris et lézard, c'est ce qui nous a le plus impressionné au global. 4-3, il met 5 hydro, une carte. En attaquant. Tu vois, cette fois, ça marche. Mais Merci. non, ça marche pas, Miles. Je suis désolé. Hein. Même, même ce qu'il fait là, ça ne marche pas. Ça ne suffit pas. Il reprend choc. Tu fais ça, mettre 2. Il va peut-être gagner cette game, il n'y a pas de souci, mais j'y crois pas vraiment pour le standard tout court. Après là, on avait une main OK euh, qui a pioché un peu trop de landes, malheureusement. Ah bah ouais. Eh bah ouais. Tu pioches que des landes aussi Allez, on passe à la prochaine. C'est pas grave. C'est pas, pas grave. grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est grave Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas, pas grave. On reste pas sur un échec. Ça arrive. Vous savez, à Magic, vous allez en perdre, vous aussi, les games. Oh. 33 degrés. Oh. Comme ça, tu peux mourir en choisissant ta mort. J'y vais, hein. Bah ouais. Vas-y à fond. Progéniture. Le truc progéniture, aurait... c'est incroyable. Il aurait pu bloquer pour euh, juste pour manger ta, ta chauve-souris. Il l'a pas, pas fait d'ailleurs. Non, c'est vol. Ah non, elle ne vole pas, elle vole pas, ouais. c'est moi, c'est moi. C'est moi, Doug, pardon. Qui se fait une pomme au four C'est lui, le Soula, merci beaucoup. Euh... Merci à toi, euh... bienvenue. Un, deux. 15, 5, je crois que je meurs pas. Non, tu meurs pas. Ouais. Ça, ça dépend ce que ça va me piocher. Avec classe d'ots. Ah merde, il fallait que je bloque euh, celle-là. Ah bah ben non, c'est pareil. Elles sont le même body Quoi ok, c'est pas mal. Pourquoi Attends, pourquoi t'as pas pris les, les PV Parce que j'ai plus Charland. Ah oui, d'accord, c'est le premier trigger. Putain, c'est vrai que la progéniture elle a bloqué. Ok. Je peux payer Orzhov et deux points de vie. Je passe à 1, j'attaque avec les deux. je regagne 3 points de vie. Euh, écoute, tu vis un peu, hein, mais est-ce qu'il te défonce pas avec. Euh... Et je mets un bloqueur euh, lifelink. Ouais, ouais c'est pas mal non Les loutres ça vole Bah ben, ça devrait, Maxol, ça devrait voler Je gagne 2 points de vie y à euh... 3 Ouais faut que j'attaque qu avec ça Ouais t'attaques avec ça et tu bloques avec ton augure pour pas te suicider Ouais Cheaté Il va prêcher hein. Foudroyante bien dans la gueule là POM on se... Non, on se bat oui c'est vrai qu'il peut juste faire 3 mana frappe Ah, ah belle ouais. et du coup il a pas de spell uh uh. <laughs> c'est compliqué euh, quand je gagne des points de vie je gagne ça pas un point de vie oh je le tue là je t'accrète tout tu peux pas tu peux pas le tuer en vrai elle peut pas bloquer putain attends ça va d'où chaque fois que vous gagnez point de vie, donc eh je vais ouais, gagner 1, peut... 2, 3, 4. Je crois tu, je crois. Attends, je crois que je peux, ouais. Mais oui, vas-y. Si. Non mais attends, c'est incroyable. Non mais attends, c'est beaucoup trop grandiose. Là tu fais. Ah non, ça a mal payé. Oh quoi la chiasse. Quoi quoi quoi? Ah non, c'est bon, putain, j'ai cru que c'est. Excuse-moi, je croyais qu'il te restait deux painlands. Excuse-moi. Non, non. Je tue un truc là moi, moi. Ouais, tu tues un truc. Ouais. C'est moi, Doug. Je vais journer ce matin. Mais oh, non, le vol mais de game, si on gagne cette game, c'est fou. Grandiose. Père deux. Tu perds 2. Tu perds 2. <laughs> tu perds 2. Tu perds 2. Trop bien cette carte, faut, faut pas l'enlever du deck en fait. Je prends 4. Azotrof, c'est trop bien. Bah, dans cette game, ça a été euh, assez fou, ouais. J'adore ce match. Wow. Insane. Insane. Quelle game. Quelle game exceptionnel. Après, si on avait le petit qui attaque en menace, qui fait drain de vie, ça marchait bien aussi, quoi. Ouais, ouais, complètement. Alors bon, là, ça le fait pas, mais... Moi, je crois qu'après ça, on peut, on peut dormir tranquille. Hein. On peut dormir tranquille. Est-ce que c'est pas une game parfaite pour, euh, pour se laisser Ouais, c'est une game parfaite pour se laisser. Moi, je ne relance pas après une telle masterclass. Hein. Ah ouais. On a eu le temps de tester 5 decks. La peigne, souris, forge, les lézards et bigar. <laughs> ouais, viens, on les classe par ordre de puissance. J'ai ouais. mes idées. Alors, euh, dans cette AP, sans prendre en compte le futur standard et tout, je trouve que le deck le plus ouais, impressionnant, bien sûr, dans cette AP, euh, c'est lézard. Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, mais talonné de très près par euh, les chauves-souris, même si on a un sample assez faible. Je suis d'accord. Euh, derrière, j'ai foutré les souris. Parce, je que, suis okay avec ça. parce que moins dépendant et euh, bah, si on joue que des decks comme ça frog c'est pas mal mais je pense que c'est oh, globalement moins bien que lapin. Eh ben justement moi je mettrais frog avant les lapins. J'ai pas trouvé ça très impressionnant les lapins. Bah, en fait lapin je, alors que je pense alors que, que les frogs je pense que c'est peut-être moins bon là sur le niveau de base tu vois et et c'est peut-être pas très fort. Mais j'ai senti un truc de... Putain, on va peut-être aller chercher des trucs avec Frog, tu vois. Alors que Lapin, si on joue pas Lapin, on n'en fera pas autre chose. Mais j'ai l'impression, moi, que euh, Lapin, c'est... Euh, tu as des tours 2 qui sont vraiment très puissants, qui, s'ils ne sont pas gérés, euh, te font gagner la partie en un tour ou deux. Ouais, je vois, je vois très bien, mais du coup, j'ai l'impression que t'attaquer au deck Lapin, c'est très simple pour le standard. Anti-bête ouais. ou Vras. Alors que les Frog, dans la mouture qu'on l'a joué, ça ne suffira pas. Mais il y a peut-être un truc à aller chercher. Tu vois, ça peut enable, ça peut créer mmh. euh, certaines choses. Ouais, ouais. Tu vois. Je suis ah, plus je... curieux de lapin, alors que je suis à peu près sûr. Je suis plus curieux de frog, de frog pardon. Frog, ouais. Alors que je suis sûr que lapin, c'est un peu foutu. Mais je suis d'accord pour le top 3, par contre. Mais je pense que effectivement lapin, il n'y a pas grand-chose à, à améliorer. Donc, soit ça marche ouais. comme ça, soit ça ne marche pas. Euh, par contre, Frog, euh, vu la densité de, de cartes d'énableurs, de payoff qu'on veut, ah bah c'est dur de creuser ouais. plus. Et j'ai l'impression que c'est un poil faible. Mais je, je, je me trompe peut-être. Je, je pense pas que Frog va nous surprendre, mais disons que le deck me rend plus curieux. Alors que Lapin, j'ai je, je, voilà, tourné autour. Je sais, j'ai fait le tour. J'ai l'impression que Frog, ont... c'est un deck de grands sorciers qui peut-être plus tard, avec d'autres extensions ou quoi, fera de grandes choses. Exactement. Mais euh, Ça à je... un deck de grands sorcier alors que les lapins non. Lapin, pas trop non. Mais Souris, par contre, euh, s'il n'y avait pas Boros Convoque, je trouverais que ce serait un super deck euh, Boros agressif. Comme ouais. il y a Boros Convoque, c'est dur de dire si c'est mieux ou pas. quoi. En fait, le problème, c'est que Lézard et Chauve-Souris, c'est tellement plus impressionnant mmh. que du coup, ça relègue un peu Souris un peu dans le même ouais. tiers que les Lapins et les Frogs, alors que c'était en vrai cool. Je trouve que Souris, il euh, y a pas mal de sorties qui sont un peu mal branlées. Euh, il ouais. y a des sorties qui sont par contre. Euh très puissante donc euh, c'est irrégulier les arts par contre ça fait tout le temps la même chose tout le temps ça tout le fait temps toujours la même chose les arts ouais chauve-souris aussi parce que c'est des decks en ouais. fait qui profitent de cut down et droit à la gorge dans le pire des cas donc euh, ouais Is ok. très très bien euh, d'ailleurs euh, je pense que chez old dans le deck chauve-souris c'est pas déconnant hein. ça fait perdre et gagner des points de vie euh, tous les tours bah c'est le même débat est-ce que tu veux mettre des cartes non chauve-souris dans ton deck chauve-souris ouais. peut-être qu'on peut faire une petite place là-dedans mais Il doit y avoir deux places Rats aux abonnés absents, ouais, bah c'est comme Écureuil, c'était difficile de faire un deck synergique écureuil, même s'il y a certains bons écureuils qui vont marcher dans des thèmes plus sacrifices. Pour les ratons laveurs, bah on vous fait grû quoi. Juste t'as les ratons laveurs qui servent à déclencher des effets et accélérer mais c'était mmh. difficile de faire un archétype euh, autour de ça. J'essaie d'énumérer les, 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 les decks qu'on n'a pas joués et pourquoi on ne les a pas joués. Il euh, y avait quoi d'autre qu'on aurait pu vous proposer en tribalité qui n'était pas très bien en tout cas... Écureuil. Yeah. Bah, J'ai dit ouais, écureuil, c'est que dans ah, les Sacrifices. Euh, oiseau, on ne vous l'a pas proposé parce qu'il y a pas de deck à thème oiseau. C'est éclaté. Hein. Ça, ça synergise avec les cartes qui ont pas le vol, donc avec d'autres cartes qui sont pas des oiseaux. Donc euh, oiseau, ça marchait pas très bien non plus. Et les ouais. rats, euh, bah, désolé les rats, on n'a pas vu de deck tribal non plus avec les rats. On salue tous les rats qui nous regardent, mais... Pas Désolé les de fans raison. de Dimir. Par contre, Ra, c'est un deck qui peut facilement devenir fort parce qu'il y a des rats quasiment dans toutes les extensions de Magic. Donc, ouais. euh, c'est pas interdit qu'on voit Ra devenir meilleur plus tard. Et pour Oiseau, ah, je pense que. Pardon, vas-y. Non, non, mais Loutre, il n'y a pas de deck tribal. Juste, il y a des bonnes Loutres et ça fera Izet Spell ouais, ou Izet Storm. Izet Spell et les Loutres ont prouesse, quoi. Euh... Ça. Comment. Que dire tu disais pour oiseau. Ouais oiseau, je pense que ça fera un deck multi, très cool, où tu vas pouvoir jouer des euh, un peu comme les humains et les non-humains, bah des fly et des non-fly, et du coup faire ouais. des trucs assez stylés avec. Mais sinon, pour le construire, je vois pas trop comment tu joues ça, quoi. Donc voilà, on espère que ce petit stream vous a plu. Yep. Si jamais vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça vous donne accès aux replay instantanément ça vous donne accès aux emotes ça vous donne accès à euh, le fait de ne pas avoir de pub pendant les lives. Et on live quand même 4 à 5 fois par semaine. Ça vous donne aussi accès aux petits badges que vous pouvez euh, avoir à côté de votre nom abonné. Et surtout, ça soutient la chaîne. Si vous avez un abonnement Amazon Prime pour regarder des séries, vous avez un sub gratuit à offrir euh, chaque mois donc le Twitch Prime. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous voulez soutenir Valet PL, vous pouvez déposer le petit sub sur cette chaîne. Merci à tous. Exact. Merci à vous, Twitch. Euh, on ne fait pas de raid parce qu'il y a plusieurs copains qui live. On vous laisse aller voir le copain que vous voulez. C'est tout ouais, je, je vous cite juste les euh, copains français qui, euh, qui live et vous allez chez celui ouais. que vous voulez. On a Elliot Dragon qui est en live. Il y a Despotic Girl qui est en live. Il y a Santos Vela qui est en live. Vous avez aussi El Grandbois qui est en live. Et euh, Bandit MTG qui est en live aussi. Faites votre choix, donnez de la force à tout le monde, allez checker un petit peu tous les lives et passez-leur le bonjour de notre part. Exact. On fait des bisous, on se retrouve très bientôt sur Twitch et sur YouTube et surtout demain pas, matin, demain matin 10h. C'était de la belle oui. magie. C'était de la belle magie sur tout le monde.